Bonjour à toutes et à tous. Nous nous sommes quittés il y a 3 mois jour pour jour et c'est avec le plus grand des plaisirs que nous vous retrouvons aujourd'hui, malgré la distance encore et avec le masque toujours, pour ce cycle de conférences sur la réparation du dommage corporel. L'objectif reste le même, confronter nos pratiques et nos outils aux enjeux de la matière, en débattre. Ouvrir des perspectives à cette branche du droit que nous toutes et tous réunis ici et chez vous affectionnons tant. Après avoir revisité les postes de préjudice dans leur définition et articulation, après avoir questionné l'évaluation médico-légale, nous avions entamé le 17 juin le volet évaluation financière des préjudices, et ce pour nous intéresser aux postes de préjudice patrimoniaux. Suite logique des événements, c'est maintenant aux postes de préjudice extra-patrimoniaux de retenir notre attention. Dans ce but, nous avons retenu 3 axes de discussion. Le premier consistera en une mise en perspective des contingences de cette évaluation financière des préjudices extra-patrimoniaux. Concept qui s'est heureusement imposé, puisqu'à défaut, on ne réparerait pas. Mais concept qui semble encore souffrir de quelques réticences, quelques résistances à pousser jusqu'au bout la logique d'une réparation sous forme d'argent de ce qu'Yvonne Lambert-Fèvre appelle ces atteintes à l'être que sont les préjudices extra-patrimoniaux. Ensuite, de manière plus concrète, nous nous focaliserons d'une part sur le déficit fonctionnel, principalement permanent. Ce sera le deuxième axe de discussion. Et d'autre part, sur le préjudice d'affection, ce sera le troisième axe de discussion. D'avance, toutes nos sincères excuses pour tous les autres postes de préjudice extra-patrimoniaux qui méritaient évidemment d'être également traités. Pour vous servir aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir en cette enceinte prestigieuse d'éminents spécialistes de la matière que je présenterai dans l'ordre annoncé par le programme. Maître Alice Barrelier, avocate spécialisée en droit du dommage corporel, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre sur l'aspect notionnel des préjudices extra-patrimoniaux. Maître Nicolas Estienne, avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé en responsabilité civile et réparation du dommage corporel, qui, en juin, nous avait ouvert quelques perspectives en montrant les atouts de la capitalisation belge pour les préjudices patrimoniaux. Benoît Mornay, conseiller à la Cour de cassation, qui d'une certaine manière va être aussi un peu au cœur de cette conférence. Stéphanie Porcher-Simon, professeure à l'Université Lyon 3, que vous connaissez toutes et tous, mais qui, pour des raisons techniques liées à la SNCF et à la Cour de cassation, ne pourra intervenir que par la voix. À travers le téléphone. Donc, d'avance, toutes nos excuses pour vous priver de la voir et de l'entendre peut-être aussi bien que nous, mais nous allons essayer de faire au mieux. C'est à Madame Stéphanie Porcher-Simon que je vais donner la parole pour un premier tour de table qui va nous conduire à mettre en perspective le sujet d'aujourd'hui, avant que nous abordions les 2 postes de préjudice annoncés. Chère Stéphanie, je te donne la parole en espérant que tout fonctionnera très bien. Chiara, merci beaucoup. Merci à tous pour cette conférence. Je suis effectivement très frustrée de devoir à l'ancienne faire une intervention téléphonique. La confrontation de problèmes de temps et de défectuosité du système de visioconférence à la Cour de cassation qui n'ont pas pu être résolus à temps. Je vais donc commencer par quelques mots généraux pour apporter mon regard incomplet compte tenu de la complexité du sujet sur ces questions d'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux. Alors, comme l'a dit Anne, la question de l'évaluation des préjudices est absolument essentielle pour garantir les droits des victimes. Car aucune réparation efficace ne peut être opérée sans qu'elle ne soit correctement évaluée. Et cette démarche constitue le préalable de toute indemnisation. Et celle-ci passe, on l'a déjà dit, et cela a déjà été traité dans d'autres séminaires par un aspect médical,
mais se prolonge dans des aspects juridiques liés notamment à l'identification et à la nécessité de circonscrire le quantum monétaire de ces postes pour conduire à l'indemnisation des. Or, on le sait, cette phase d'évaluation monétaire présente des difficultés nombreuses. Certaines sont d'ordre général, telles que l'absence, l'imperfection des outils de l'évaluation, mais aussi liées à la multiplicité des acteurs de la réparation qui n'évaluent pas forcément sur la base des bases identiques. Mais cette difficulté est encore accrue dans le cas des préjudices extra-patrimoniaux, où on ajoute au problème à tout acte d'évaluation des difficultés supplémentaires, celle de devoir traduire sous forme de dommages et intérêts la valeur d'une atteinte au sentiment, ou pour reprendre, et elle l'a déjà fait, la belle expression d'Yvonne Lemberfèvre, une atteinte à l'être. Sauf exception, car cela relève, nous semble-t-il, pour l'instant davantage des démarches prospectives que d'une analyse de droit positif, la réparation en nature n'est pas aujourd'hui une modalité couramment utilisée dans la réparation du dommage corporel, et encore moins en domaine extra-patrimonial. Et c'est donc bien la conversion en une dette monétaire de chaque souffrance subie que l'on doit réaliser. Or, cette opération recèle, me semble-t-il, aujourd'hui, bien des mystères encore, qui ont sans doute pendant longtemps et aujourd'hui également pesé sur l'évaluation de ces préjudices extra-patrimoniaux. Et ces mystères nombreux, j'ai souhaité ne pas tous les traiter, évidemment, aujourd'hui, mais me concentrer plus particulièrement sur une double question. Est-ce que l'évaluation monétaire des préjudices est possible au regard des règles de la réparation? Et si une réponse positive y est apportée, par quels mécanismes sont aujourd'hui construits ces GCL d'évaluation, ces valeurs monétaires, pour conférer une indemnisation réelle à la victime? Alors sur le premier aspect, est-ce que l'évaluation monétaire est un obstacle à la réparation des préjudices extra-patrimoniaux? Je voudrais rappeler que traditionnellement, la doctrine classique a toujours manifesté une hostilité à l'égard de la réparation de ce groupe de préjudices sur la base d'un argument principal qu'il convient de rappeler ici brièvement, lié à l'impossibilité même d'une réparation sous la forme monétaire. Compte tenu de la nature de ces atteintes, il fut évidemment aisé de démontrer que l'argent ne pouvait, au sens strict, compenser la lésion portée au sentiment. Or, cet argument a été, me semble-t-il, depuis relativement longtemps, démontré dans son caractère imprécis ou inexact, car il convient de revenir au sens du mot « réparer ». On ne doit pas entendre celui-ci comme impliquant une remise en état, qui est impossible, on le sait, quel que soit d'ailleurs le préjudice en cause. L'indemnisation monétaire doit, dans le cas des préjudices extra-patrimoniaux, être comprise davantage comme ouvrant la possibilité de donner à la victime une forme de satisfaction qui viendra compenser le préjudice subi. Et on peut rapidement relire le traité à cet égard de responsabilité civile des frères Mazot et d'André Tinck, pour qui, même s'il faut constater que peu de victimes utiliseront de la sorte, ils veulent dire en fait pour vraiment compenser la somme qui leur a été allouée, même s'il faut reconnaître qu'en fait c'est la satisfaction plus ou moins consciente résultant d'un enrichissement qui apporte une compensation aux souffrances, il ne semble pas que les tribunaux puissent tenir compte de cet élément pour refuser les indemnités auxquelles elles, celles-ci, ont droit. Cette possibilité classique sur laquelle nous n'insisterons pas davantage renaît aujourd'hui sous la plume d'auteurs plus contemporains qui, au nom d'une prétendue expansion hors contrôle du coût de l'indemnisation des postes, et notamment extra-patrimoniaux, entendent contester les possibilités de les réparer. Les arguments se situent à plusieurs niveaux. Le premier, que nous écarterons car il n'est pas l'objet de cette journée, s'appuie sur la multiplication de ces postes extra-patrimoniaux qui, entraînant un éclatement excessif du dommage corporel, conduirait à des excès de la réparation et à des problèmes potentiels de méthode. Mais il ne s'agit pas de la question qui nous réunit maintenant. Le second type d'argument s'appuie quant à lui plus clairement sur des problématiques contemporaines liées à l'évaluation et souligne tout particulièrement deux points. Le premier est relatif aux fragilités potentielles des modes d'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux qui peuvent effectivement desservir ces postes, dont on peut se demander si les principes du droit commun de la réparation, principe de l'évaluation in concreto, principe de la réparation intégrale, y seraient réellement appliqués. Cet argument plus contemporain rejoint d'ailleurs un argument également soulevé par la doctrine plus classique, qui soulignait que ces préjudices extra-patrimoniaux, qui ne peuvent être quantifiés mathématiquement, ne seraient en fait pas véritablement réparés, mais relèveraient davantage d'une logique de peine privée. Parmi les exemples de fragilité potentielle des modes d'évaluation que l'on ne peut pas contester, on peut citer, et ce point, comme l'a dit Anne, sera développé par la suite plus en avant, le cas du déficit fonctionnel, à l'égard desquels les bases d'évaluation semblent effectivement assez fragiles et posent des problèmes
sans doute qui peuvent décrédibiliser l'indemnisation de ces postes extra-patrimoniaux. L'autre argument soulevé par la doctrine contemporaine est inhérent à la diversité des modes d'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux qui peuvent surprendre, car on y retrouve finalement un panel quasi complet des différentes façons d'évaluer un préjudice. Certains postes semblent en effet très proches du forfait, et l'on peut à nouveau citer l'exemple du déficit fonctionnel, et l'on détaillera cette question comme on l'a évoqué ultérieurement. D'autres sont évalués par des techniques d'échelle médico-légale couplées à des référentiels, et on pense ainsi par exemple aux souffrances endurées ou aux préjudices esthétiques. Et enfin, d'autres semblent relever davantage d'une évaluation purement in concreto. On peut citer parmi les exemples le préjudice sexuel. Or, la confrontation de ces méthodes surprend, même si le jury spécialisé en dommages corporels a une telle habitude de les appliquer qu'elle lui semble sans doute relativement naturelle. Cette mosaïque de techniques, sans qu'on soit forcément, il faut bien le dire, à même d'expliquer de manière absolument rationnelle pourquoi telle méthode a été choisie pour tel poste, peut conduire à émettre effectivement des doutes, ou du moins à poser des questions sur le parfait respect d'une réparation intégrale et adéquate de ces préjudices extra-patrimoniaux sous une forme monétaire. D'où un impératif absolument nécessaire d'amélioration de ces outils de l'évaluation, sans doute déjà en les unifiant, il faut bien dire, selon le fondement des demandes et selon les règleurs, mais aussi en les améliorant intrinsèquement. Alors une fois admis l'idée, malgré ces critiques, qu'un chef de préjudice extra-patrimonial puisse être réparable en argent, une seconde interrogation nous semble arriver, celle de savoir comment, en fonction de quels critères, fixer la valeur de l'évaluation de chaque poste au regard du degré de gravité qui lui aura été assigné par la voie de l'expertise. Et cela conduit donc à s'interroger finalement sur les échelles de valeur, hein, vraiment d'un point de vue, je dirais, un peu théorique, qui sont utilisées en pratique. Alors la question, plus j'y réfléchis, plus celle-ci me semble en fait relativement abyssale. La règle est en effet celle d'une réparation intégrale, on l'a dit, et d'une évaluation in concreto du préjudice. Mais ces règles ne peuvent, on le sait également, être appliquées que de manière relative dans le cas des préjudices extra-patrimoniaux du fait d'une double difficulté bien connue. La première est celle de l'impossibilité de quantifier exactement chaque douleur subie par les victimes, toute évaluation ne pouvant être qu'approximative. Et la seconde, qui nous intéresse ici, est relative à la difficulté de déterminer une traduction monétaire qui répare une telle souffrance. Alors c'est évidemment sur le constat de cette difficulté que se sont construits les référentiels, et Benoît Mornay nous en donnera d'ailleurs des explications après moi. Mais reste la question, derrière ces référentiels, de savoir comment les valeurs que ceux-ci contiennent, sans doute elles-mêmes issues des pratiques jurisprudentielles, ont été à un instant donné retenues par qui et en fonction de quels critères. Au nom de quoi, finalement, considère-t-on aujourd'hui qu'une réparation intégrale de la perte d'un enfant est assurée pour ses parents par l'allocation, par exemple, d'une somme comprise entre 20 et 30 000 euros? Selon quels critères estime-t-on qu'une souffrance endurée de 2 sur 7 est, selon le référentiel, réparée par une somme comprise entre 2 et 4 000? Cette affirmation nous semble reposer sur des mécanismes divers. Dans un contexte, donc, rappelons-le, d'une indemnisation poursuivant davantage une fonction satisfactoire. Alors un premier aspect de la satisfaction peut passer par la reconnaissance même de la qualité de victime et de la souffrance morale éprouvée. En nommant, en chiffrant les préjudices, on dit le droit, on dit le tort, pour reprendre les mots d'un auteur, en retrouvant une des fonctions classiques du jugement, telles que le décrivent les philosophes du droit, dont l'une des finalités est d'arrêter le conflit en reconnaissant la responsabilité et la qualité de victime. Mais une fois cela dit, il faut encore, comme on l'a évoqué, chiffrer ce poste à une somme donnée, jugée satisfaisante pour la victime. Et cette solution conduit donc à analyser en quoi l'attribution d'une somme d'argent, qui on l'a dit est la modalité pour l'heure quasi exclusive de l'indemnisation des victimes de dommages corporels, joue ce rôle satisfactoire. Et plusieurs niveaux d'analyse sont possibles, étant donné que je ne livrerai là que des pistes de réflexion qui sont sans doute insuffisamment abouties. Donc le premier niveau d'analyse, qui est un peu simpliste, on le dit tout de suite, consiste à envisager le terme de satisfaction dans son approche la plus simple. On peut comprendre que l'allocation de dommages et intérêts liée à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de pratiquer par exemple une activité sportive permettra à la victime des activités dérivatives qui donneront une satisfaction d'une autre nature. Mais cette analyse, comme je l'évoquais à l'instant, est trop frustre. Et elle trouve ses limites quand on aborde d'autres préjudices extra-patrimoniaux où l'on perçoit bien que souvent, la satisfaction ne peut être trouvée dans une activité dérivative permise par les dommages et intérêts. On pense notamment au cas du préjudice d'affection
au sujet duquel le plaisir donné à la victime ne saurait se situer à un niveau, évidemment, de compensation matérielle. Et la fonction satisfactoire semble devoir alors être trouvée dans d'autres mécanismes. Et c'est une hypothèse de réflexion, hein, dont on aura peut-être l'occasion de discuter. Il nous semble que celle-ci paraît résider dans la perception par la victime que sa douleur a été évaluée et compensée à sa juste valeur. La question serait donc celle que les philosophes appellent la paix sociale, du prix qu'une société reconnaît à un instant donné à certains préjudices et qui est accepté par la victime. Dans cette optique, la réparation est donc vue comme une sorte de transaction sociale, sous l'égide du juge, en tout cas lorsqu'il est saisi, qui vise à attribuer à la victime, pour chacun des postes envisagés, une somme perçue par celle-ci comme la juste mesure de sa souffrance et qui aura par ce mécanisme une fonction de satisfaction, celle que les préjudices ont été évalués à leur juste prix par la société. Alors cette idée appelle toutefois une remarque essentielle, car elle ne doit selon nous en aucun cas être comprise comme ouvrant la voie à une forfaitisation de la réparation, voire à une indemnisation symbolique. Le raccourci serait tentant. Si on affirme en effet que l'allocation d'une somme d'argent joue un rôle de compensation des dommages, car à la victime la satisfaction que sa souffrance a été prise en compte, on pourrait, mais on va le voir à tort totalement selon nous, en déduire la standardisation nécessaire du quantum monétaire, ce qui ouvrirait la voie carrément au barème, hein, voire aux réparations symboliques. Or, cette affirmation doit être totalement réfutée. La satisfaction de la victime implique en effet, ça nous semble absolument essentiel, le sentiment que le préjudice a été justement pris en compte. Et il nous semble important d'insister sur cette nécessité de justement, ce qui ne saurait être fait sans une personnalisation fine du quantum monétaire de chaque poste. Dans notre système juridique, c'est en effet in fine au régleur, enfin au juge notamment, de fixer le prix de la paix, comme on l'a dit tout à l'heure, et pour que cet effet se produise, la réparation doit être faite in concreto, proportionnellement à la réalité du préjudice subi et à la situation particulière du demandeur, sans quoi celui-ci ne pourra trouver une satisfaction dans la réparation. Quelle pourrait être, en effet, à titre d'exemple, le sentiment d'une victime d'un préjudice sexuel si celui-ci était déterminé de manière standardisée sans aucunement tenir compte des éléments de sa situation personnelle? Ou quelle pourrait être la vertu de transaction sociale d'une décision indemnisant un préjudice d'agrément sans tenir compte de la nature, de l'intensité de la pratique, des perspectives d'évolution de la pratique en question dont le demandeur a été privé? À cet égard, notre droit a sans doute beaucoup de progrès à faire, car il doit naviguer entre deux impératifs qui peuvent s'avérer difficiles à concilier. Celui d'un côté d'une égalité de traitement, qui apparaît à une revendication des victimes, notamment dans les catastrophes collectives où la confrontation des montants d'indemnisation pose des difficultés, et celui d'une personnalisation de ces postes qui pour nous est un élément fondamental de satisfaction et du caractère finalement réparateur de l'indemnisation dans le domaine extra-patrimonial. Et à cet égard, des progrès restent encore à faire, poste par poste, où chacun des postes doit sans doute être amélioré dans ses techniques d'évaluation, notamment dans le domaine extra-patrimonial, mais sans doute également d'une manière plus générale, par différents facteurs qui me semblent assez mal intégrés dans l'évaluation des postes extra-patrimoniaux, et on y reviendra sans doute à l'occasion de cette conférence, notamment par une meilleure prise en compte de la temporalité de la souffrance. Voici quelques éléments rapides de réflexion générale pour cadrer la réflexion, et je vais donc vous recéder la parole par la voie plus classique de la visioconférence. Merci beaucoup, chère Stéphanie. Il aurait vraiment été dommage que l'on soit privé de cette mise en perspective. Et la personnalité de Benoît Mornay était évoquée. Nous avons la chance de l'avoir ce soir à nos côtés. Donc c'est à lui que je vais céder la parole. Merci, Anne. Oui, je commencerai par évoquer finalement quels sont les modes d'évaluation des préjudices. On a une possibilité d'évaluation objective des préjudices que nous utilisons pour les préjudices patrimoniaux, puisque à ce moment-là, elle est possible. S'il y a une évaluation monétaire de perte de gains, de ces préjudices patrimoniaux qui sont évaluables de manière strictement objective par une évaluation comptable. Et donc là, on parle d'ailleurs d'indemnisation à caractère compensatoire et non pas satisfactoire, comme ça vient d'être évoqué. Et puis, nous avons à côté de cela deux types d'évaluation subjective.
On a, enfin même trois éventuellement, d'ailleurs. L'évaluation subjective barémisée, qui consiste à attribuer une valeur monétaire déterminée par un barème à un étalonnage médico-légal des préjudices. Cette hypothèse, par exemple, on la trouvera que des souffrances endurées évaluées à 3 sur 7 seront indemnisées à 6 000 euros. Et voilà, c'est un barème qui est proposé. Ça, c'est le système espagnol, notamment, le baremo espagnol, qui propose un système d'indemnisation strictement barémisé. Et l'inconvénient, bien entendu, de ce système, de ce mode d'évaluation, il est non seulement contraire à nos principes juridiques, mais surtout parce qu'il subordonne le juge à l'expert, c'est-à-dire que c'est finalement l'expert qui va fixer, par l'évaluation médico-légale, l'indemnité qui sera allouée au patient, à la victime. Donc on n'adopte pas et on rejette ce système-là. Et puis à côté de cela, nous avons ce qu'on appelle l'évaluation subjective référencée, qui consiste à attribuer une référence d'indemnisation à un étalonnage médical. Cette évaluation, elle est faite par référence aux décisions judiciaires ou d'ailleurs aux transactions éventuellement qui peuvent être faites aussi avec des assureurs. Et la fourchette ou le curseur de référence présente un caractère à ce moment-là strictement indicatif en laissant au juge la possibilité de personnaliser l'indemnisation à l'intérieur de la fourchette, autour du curseur, voire de s'écarter de cette fourchette ou de ce curseur si des éléments justifient une évaluation au-delà de ce qui est habituellement proposé par la jurisprudence. Ce mode d'évaluation donc permet, en tout cas en ce qui concerne notre système, d'indemniser les préjudices extra-patrimoniaux. Et puis nous pourrions avoir à côté de ça un système d'évaluation subjective sans référence, qui arrive quelquefois, lorsque, effectivement, eh bien, on a des préjudices un peu atypiques, exceptionnels, où on n'a pas de jurisprudence qui permette de s'appuyer, de chercher un précédent qui corresponde au cas ou qui s'approche, autant que faire se peut, de la situation qu'on traite dans cette hypothèse. Et dans ce cas-là, on est sans référence et donc on essaye d'imaginer comment évaluer de manière strictement subjective. Alors, j'évoque ces modes d'évaluation parce que ça pose assez bien la problématique de la notion de référentiel en la matière. Comment, en fait, mettre en œuvre les deux principes intangibles que sont la réparation intégrale et l'individualisation de la réparation, d'une part, avec une certaine harmonisation des outils d'évaluation du dommage et du préjudice, d'autre part. C'est ça la difficulté, finalement. Et pour illustrer cette difficulté, j'avais proposé dans un article publié à Gazette du Palais en 2010 l'exemple suivant. Mon père est mort à Rennes dans un accident de la circulation. Je ne vous raconte pas ma vie, hein, c'est un exemple. Mon préjudice d'affection a été indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Ma mère est morte dans un accident à Aix-en-Provence au même moment et mon préjudice d'affection a été indemnisé à hauteur de 40 000 euros. Et je n'ai aucune explication sur une telle différence d'indemnité pour un préjudice objectivement comparable. C'était ça le problème, il y a 10 ans. Alors on comprend que l'évaluation financière d'un préjudice extra-patrimonial est bien sûr nécessairement très subjective. Mais voilà, c'est pas simple à trouver. Alors, pour autant, j'avais écrit aussi que le juge n'évalue pas les préjudices en lisant dans une boule de cristal. Confronté à l'indemnisation du préjudice, qu'est-ce qu'il fait le juge? Il cherche des précédents. Il essaye de trouver des précédents. Et la recherche de précédents nous conduit nécessairement à la notion de référentiel. Dans la plupart des cours d'appel, il existait à l'époque, dans les années 2000-2010, un document qui tendait justement à harmoniser l'évaluation des préjudices par les magistrats des tribunaux de la Cour. L'appellation de ce document était variable, on trouvait des termes peut-être de référentiel, d'éléments de détermination d'indemnisation, d'autres encore. Mais il existait même à cette époque-là des contre-exemples, et il en existe peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, où dans une cour d'appel, il y a quelques années, les indemnisations allouées étaient différentes selon que l'on était devant la chambre civile ou devant la chambre des appels correctionnels sur intérêt civil. Et là, ça posait quand même des grosses difficultés, parce que derrière ça, il y a la question de la confiance du justiciable dans son juge, bien entendu. Alors, l'idée d'un référentiel, elle n'est pas nouvelle.
Si on se rappelle que l'article 26 de la loi de 85, du 5 juillet 85, prévoit que sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rende compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. Et en application de ces dispositions, les assureurs ont créé en 1988 un fichier, l'AGIRA, le fichier de l'AGIRA, qui recense l'ensemble des indemnités allouées en matière d'accident de la circulation. Ce fichier est aujourd'hui accessible au public par la voie de consultation Internet et permet d'ailleurs à une victime de consulter pour rechercher les indemnités allouées dans des cas comparables aux siens. Mais tout cela est assez ancien. Plus récemment, dans le rapport de 2003 du groupe de travail présidé par Yvonne Lambert-Fèvre, on a rejeté l'hypothèse d'un barème d'indemnisation, bien entendu, mais si nous condamnions l'uniformité des indemnisations, nous préconisions une harmonisation des méthodes d'indemnisation. Et dans cette perspective, le groupe de travail avait recommandé l'élaboration, je cite, d'un référentiel indicatif, national, statistique et évolutif, devant répondre aux principes suivants. Première chose, les références devront y être énoncées par les dénominations et sigles des chefs de préjudice dont la nomenclature a été adoptée. Vous savez que le groupe de travail Lambert-Fèvre avait quand même émis les prémices de la nomenclature d'Intillac. Le champ d'application devrait couvrir tous les types d'accidents et de dommages corporels, et pas seulement les accidents de la circulation. Les statistiques référencées sont celles des cours d'appel, et pas les transactions. Le RINS sera établi en fourchette et en moyenne. Un contrôle effectif et officiel des pouvoirs publics sera mis en place. Le RINS sera l'objet d'une publication annuelle largement diffusée auprès de toutes les cours d'appel. Voilà ce que préconisait le groupe de travail présidé par Yvonne Lambert-Fèvre dans son rapport en 2003. Le RINS, bon, n'a jamais vu le jour. On sait que d'autres propositions ont vu le jour, et notamment la réforme du 21 décembre 2006. Nous avons ensuite eu une proposition de loi de M. Lefranc en 2010 qui proposait une loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'accidents de circulation. Cette proposition, notamment, il était proposé de créer une base de données accessible au public placée sous le contrôle de l'État qui recenserait toutes les transactions entre assureurs et victimes et toutes les décisions des cours d'appel. Le traitement de ces données aurait été effectué par un organisme constitué par des entreprises d'assurance ou des fonds de garantie. Cette proposition de loi n'a jamais été adoptée. Il a été tenté de la faire repasser par le biais de la loi Fourcade un an plus tard, mais ça a été un cavalier législatif. Et donc, finalement, tout cela n'a pas abouti. Et puis, le dernier en date, c'est le décret du 27 mars 2020 qui porte création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust », ayant pour finalité de développer un algorithme pour servir notamment à l'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices. Toutes ces tentatives doctrinales, législatives et réglementaires n'ont pas encore abouti. Le premier référentiel partagé par l'ensemble des cours d'appel a été élaboré en 2013. Ce référentiel est actualisé tous les deux ans. L'École nationale de la magistrature est associée aux travaux et assure la diffusion de celui-ci auprès des cours d'appel, à charge pour les premiers présidents de les diffuser auprès des barreaux. C'est un référentiel strictement indicatif et la question de l'évaluation du préjudice nécessite pour le juge d'avoir des repères, des références d'évaluation, au moins pour les préjudices extra-patrimoniaux, repères sans lesquels nous courons à l'arbitraire du juge. Nous aurons donc besoin d'un outil digne de confiance, lisible, respectable, souple, en d'autres termes, un référentiel indicatif d'évaluation. Il propose des évaluations subjectives référencées, c'est-à-dire des références jurisprudentielles. Les propositions ne sont bien entendu qu'indicatives et il convient d'éviter l'écueil du barème qui subordonnerait, je l'ai dit, le juge à l'évaluation du médecin expert. C'est un référentiel évolutif, en ce sens que l'outil est dans le débat contradictoire. Et il permet aux parties d'avoir connaissance de cet outil, quel est l'outil qu'utilise le juge, et de le critiquer, et de le remettre en cause, et de proposer d'autres choses, finalement. C'est ça aussi qui est important. Et donc de faire évoluer les références de jurisprudence sur lesquelles nous nous appuyons. Alors, il y a eu un débat sur la diffusion du document en question, mais je passe là-dessus maintenant. Là, il n'y a plus de difficultés sur la question et le principe de la diffusion de cet outil. Alors, derrière tout ça, il y a quand même un enjeu. Et j'en terminerai par là. L'enjeu, il est important parce que, en matière de dommages corporels, nous avons 95% de transactions.
et 5% de décisions judiciaires. Et lorsqu'on analyse un peu plus finement les indemnités, on réalise que les 95% de transactions représentent 55% des indemnités, alors que les 5% des décisions judiciaires représentent 45% des indemnités. Ne faisons pas dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas. Les gros dossiers sont plaidés, bien entendu. Mais quand même, ça questionne quand on voit ces chiffres-là. Donc, si on rentre dans la logique du député Lefranc ou de ces bases de données accessibles au public recouvrant l'ensemble des transactions et des indemnités allouées par les cours d'appel, nécessairement, par l'effet de masse, à terme, ce seraient les juges qui auraient tendance à finalement s'aligner sur les transactions. À l'inverse, si on impose un référentiel strictement judiciaire dans lequel il n'y a que les décisions de cour d'appel, ce sur quoi elle va insister Mme Lambert-Fay dans son rapport, à ce moment-là, nécessairement, à terme, on a les assureurs qui vont tendre à s'aligner sur les références de jurisprudence. Et ce faisant, c'est important parce que qui garde la main, qui a la main sur l'évaluation judiciaire des préjudices, c'est l'autorité judiciaire, ce ne sont pas les assureurs. Et ça, c'était un enjeu très important à conserver. J'avais écrit en 2010 que si on ne faisait pas un référentiel judiciaire, on aurait un référentiel d'assureurs. Voilà. Donc actuellement, il y a un outil qui est perfectible, qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais qui est un outil qui permet au moins d'avoir au moins une base de discussion, d'ailleurs, ne serait-ce que ça, finalement, et qui a fait un peu ses preuves. Merci beaucoup. Alors, juste pour réagir avant et annoncer finalement une partie sans doute un peu plus critique maintenant de nos pratiques actuelles. Pour revenir sur les transactions des assureurs, on pourrait peut-être opérer un tri et n'accepter d'introduire que les transactions qui étaient en présence d'un avocat spécialisé. Voilà, pour s'assurer de l'égalité sans doute des arbres et de ce qui a été transigé. Et puis s'agissant des décisions, peut-être il faut aussi éliminer les décisions qui n'ont fait que... avec des demandes finalement beaucoup trop inférieures à ce qui aurait pu être demandé. Peut-être pour les mêmes raisons que la première idée. Alors je vais maintenant passer la parole à Maître Alice Barrelier. Voilà. Merci Anne. Alors effectivement, on a l'impression que le référentiel... Morné, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, nous, dans nos prétoires, le référentiel morné est un outil de travail très utile et qu'il a plein de bonnes intentions, puisqu'il éviterait finalement que les victimes soient sous-indemnisées par les assureurs. La difficulté, si je reprends les termes, vos propos, Monsieur Morné, vous nous dites que ce référentiel n'est pas un barème. Et la seule différence qu'il y a dans la définition que vous avez donnée du barème, c'est que le barème obligerait le juge par une somme unique à fixer l'indemnité du préjudice, alors que dans le référentiel, il serait seulement mentionné des fourchettes d'indemnisation qui seraient proposées au juge et aux parties, finalement, qui serviraient de base de discussion. Pourquoi est-ce que nous devons considérer que les parties ne sont pas suffisamment grandes pour fixer le champ de la discussion ? Le juge n'est-il pas tenu, dans les termes du Code de procédure civile, de statuer à l'intérieur de l'offre d'indemnisation et de la demande de la victime ? Et là-dedans, il peut exercer son pouvoir souverain. Pourquoi lui mettre et insérer dans le débat un référentiel qui émane en plus d'une autorité supérieure, M. Morné, et les conseillers qui ont... Pardon, ce n'est pas un référentiel de M. Morné, c'est le référentiel établi par l'ensemble des magistrats correspondants de toutes les cours d'appel de France. Oui, oui, c'est pour ça. Et qui reflète la jurisprudence des cours d'appel. Hein. Voilà. J'ai dit le référentiel Morné établi par M. Morné et les présidents des juridictions des cours d'appel. C'est ça. Donc, finalement, ça, pourquoi est-ce qu'on veut faciliter à ce point le travail du juge et des parties en mettant
des outils finalement de pré-évaluation, des ordres de grandeur dans lesquels on leur dit qu'ils doivent fixer le préjudice. La difficulté, c'est que ce référentiel, c'est une autorité supérieure par rapport aux demandes aux parties, par rapport aux demandes, par rapport à la demande de la victime, par rapport à l'offre de l'assureur. Il a de facto une autorité supérieure parce qu'il n'émane pas des parties. Et on voit bien que, en pratique, les juges ont évidemment tendance à plutôt retenir le référentiel que les demandes et les offres des parties, et ils s'accrochent à ce référentiel en disant, mais finalement, dans le référentiel, ces sommes sont indiquées. La difficulté, vous nous avez précisé que les fourchettes et les ordres de grandeur d'indemnisation qui étaient dans ces référentiels pour les préjudices extrapatrimoniaux venaient des décisions de jurisprudence et que, en principe, ces décisions étaient parfaitement accessibles. Dans le référentiel, les règles méthodologiques d'indemnisation, donc la technique liquidative, est effectivement corroborée par les arrêts de la Cour de cassation. En ce qui concerne les fourchettes d'indemnisation, nous n'avons aucun élément qui nous permette d'aller voir pourquoi, dans ce dossier, 2000 euros a pu être alloué pour 2 sur 7, 3 sur 7, et on n'a absolument pas les moyens de savoir sur quelle base cette jurisprudence a été retenue, quelle est la demande, est-ce que la victime a demandé et que le juge lui a donné le plein de sa demande. Donc on n'a absolument aucun élément qui nous permet de voir, et c'est pourtant le principe de la jurisprudence, que la jurisprudence qui a servi à l'élaboration du référentiel correspond au cas qu'on vient présenter devant la juridiction et qui permettrait effectivement de considérer que l'indemnité doit plutôt être dans la moyenne du référentiel plutôt qu'au-dessus ou plutôt qu'en dessous. On n'a pas ces éléments d'accroche. J'ai également, je me suis interrogée de savoir quelle était véritablement la différence entre un barème et un référentiel ou un recueil. Et dans le dictionnaire des synonymes, j'ai trouvé qu'à côté de recueil, le synonyme, c'était barème. Et je pense que c'est toute la difficulté du recueil méthodologique. Les juges savent bien qu'en principe, il leur est interdit, et la Cour de cassation le dit, que si les juges mettent dans leur décision que la somme qu'ils ont allouée est celle qui est préconisée par le référentiel, leur décision sera cassée. Mais s'ils ne le mettent pas, leur décision sera validée par la Cour de cassation et il n'y aura pas de cassation, alors que dans les faits, ils se seront référés implicitement et sans le dire au référentiel. Alors nous, évidemment, on considère que les dés sont pipés, puisqu'on a ce référentiel qui vient s'installer dans notre discussion, que maintenant les victimes, pour essayer d'obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, doivent expliquer et justifier encore et encore et encore pourquoi elles ont un préjudice qui est supérieur au référentiel. On a donc ce travail supplémentaire à faire. Alors c'est vrai que dans le référentiel, vous indiquez, vous, les auteurs du référentiel, indiquent que ça n'est pas un barème, mais dans les faits, on constate bien que les juges ont ce biais d'autorité et qu'ils s'y réfèrent nécessairement plus qu'aux offres et qu'aux demandes des victimes. Le professeur Christophe Kézel-Ambrunaz a fait une étude extrêmement intéressante qui a été faite juste sur les décisions de première instance et qui est accessible sur le site de l'USMB, et qui montre que lorsqu'il existe un référentiel pour les préjudices extra-patrimoniaux, pour ceux qui existent en tout cas, il est extrêmement difficile de s'en détacher dans l'indemnisation qui est obtenue, que les avocats éventuellement qui oseraient demander une somme beaucoup plus importante que celle moyenne qui est préconisée par le référentiel verraient finalement leur courage ou leur audace sanctionnée avec une décision qui viendrait dire « puisque vous avez demandé autant, alors que dans le référentiel, c'est pas du tout ça, eh bien moi, je vous alloue le minimum syndical qui est proposé par l'assureur ». Ça,
Ça ressort de l'étude du professeur Kizel-Embrunaz, et cette étude montre qu'en revanche, lorsque le magistrat n'a rien, aucune branche à s'accrocher, pas de référentiel, l'incidence professionnelle, par exemple, le préjudice d'agrément, par exemple, eh bien là, le juge reprend son entière liberté d'appréciation, son pouvoir souverain, et il statue entre la demande et l'offre, et on a effectivement des décisions et des indemnités qui sont beaucoup plus élastiques parce qu'on n'a pas cette espèce de règle, de curseur qui vient s'insérer entre l'offre et la demande. On constate aussi parfois dans les décisions, et c'est toute la force du référentiel, parce que effectivement c'est un outil de travail qui est extrêmement précieux pour les magistrats qui ont à juger, et c'était ça à la base, si mes souvenirs sont bons, c'était un outil d'aide aux magistrats qui sont amenés à juger des dossiers d'indemnisation alors qu'ils ne sont pas du tout spécialistes, et comme c'est une matière par définition extrêmement technique et complexe, ça leur simplifiait la tâche en leur donnant un guide, et ça évitait des décisions catastrophiques avec des victimes qui étaient extrêmement lésées. Sauf qu'on constate que les décisions qui sont récemment rendues, je vais essayer par la nouvelle génération des magistrats, parfois font des copier-coller intégraux des bouts du référentiel. Et on retrouve dans les décisions des pans entiers pour motiver la décision qui sont un copier-coller, les mêmes décisions de jurisprudence de la Cour de cassation, parfois même des bouts de motivation sur des questions qui n'ont même pas été débattues par les victimes et par leurs contradicteurs. On a des automatismes qui sont faits avec ces pans de copier-coller. Donc on voit bien que ce référentiel a une vraie autorité sur les juges et qu'il a un vrai pouvoir d'aide à la décision, mais qui les incite à juger dans un certain sens. Et on a aussi, surtout, en rétrospective, le fait que, on a vu que depuis 2013, ces référentiels sont officiellement sortis, en tout cas, ceux qui étaient jusqu'ici officieux sont devenus officiels, et qu'entre 2013 et 2016, les sommes préconisées au titre des préjudices extra-patrimoniaux n'ont pas varié d'un centime. Ça a été, entre 2013 et 2016, un préjudice, souffrance endurée, préjudice esthétique 1 sur 7, jusqu'à 1 500 € proposés par le référentiel. 2017, petit mieux, puisque les préjudices esthétiques permanents et souffrances endurée peuvent aller jusqu'à 2 000 €, nous dit le référentiel. Qu'est-ce qu'on observe ? Alors, si on reprend l'origine du référentiel, on considère que les référentiels étaient faits à partir de la jurisprudence. Et que c'était la jurisprudence, donc les offres et les demandes, qui faisaient les décisions qui donnaient un ABAC, un outil d'aide pour se rendre compte de la jurisprudence et vérifier si notre cas rentrait dans le cas de la jurisprudence. Entre 2013 et 2016, les indemnités allouées en moyenne au titre de ces préjudices-là n'ont pas varié. En 2017, le référentiel a évolué. Et donc, on nous dit en 2017, jusqu'à 2 000 €. Qu'est-ce qu'on a vu rétrospectivement grâce aux bases de données, soit des éditeurs privés, soit la base de données de l'ANADAVI qui recense les transactions et les décisions de leurs membres, on a vu que les décisions évoluaient très légèrement à partir de 2017. La conclusion est que depuis 2017, il y a eu cette petite évolution et qu'aujourd'hui, on est toujours, parce que le référentiel de 2020 et le guide que vous avez sorti en 2021 reprennent ces fourchettes d'indemnisation, les indemnisations allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux n'ont pas varié depuis cette micro-augmentation. Et ce qu'on constate, finalement, c'est que ça n'est plus la jurisprudence qui fait le référentiel, c'est le référentiel qui fait la jurisprudence. Et là, on a un vrai problème, puisque on est toujours nécessairement 2 ans ou pas, je ne sais pas, parce qu'on ne connaît pas
les décisions qui ont servi à l'élaboration de ce référentiel, mais de toute façon, on est toujours un train en retard, et qu'en plus, on n'a plus cette liberté, puisque les avocats qui ne sont pas spécialisés se réfèrent au référentiel pour être sûrs qu'ils ne font pas n'importe quoi, et donc demandent des indemnités qui sont préconisées dans le référentiel, ce qui va donner la jurisprudence. Et le référentiel va reprendre la jurisprudence éventuellement qui a été rendue sur la base du référentiel. Le cercle et la boucle est bouclée et nous n'avons plus d'évolution jurisprudentielle sur ces préjudices extra-patrimoniaux. Une dernière chose, quand on voit que certains juges, parce qu'effectivement c'est extrêmement clair dans le référentiel, les juges ont la liberté absolue de considérer que ça n'est qu'indicatif et de ne pas s'y référer, bien que ça émane d'une autorité supérieure, on voit que les juges de première instance, qui sont convaincus par les démonstrations des avocats et qui donnent plus que le référentiel, voient leurs décisions bien souvent contestées en cause d'appel. En cause d'appel, les argumentaires qui sont développés par les compagnies d'assurance pour essayer de réduire la note, c'est de dire que la somme est très au-delà de celle qui est préconisée par le référentiel. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les décisions et les arrêts de Cour de cassation qui rabotent les préjudices extra-patrimoniaux. J'ai en tête deux exemples extrêmement précis. L'un sur des souffrances endurées qui avaient été indemnisées 30 000 euros, évaluées à 4,5 sur 7 par le juge du Havre. En appel, la compagnie d'assurance dit « ça n'est pas du tout ça, le référentiel des cours d'appel nous dit que c'est 20 000 euros ». Réponse de la cour d'appel sans aucune motivation, 20 000 euros réduits pour les souffrances endurées. Ça interpelle quand même beaucoup, sans aucune motivation. Évidemment, le juge n'a pas d'obligation de motiver sa décision, et c'est de l'appréciation souveraine, et il décidera que ça vaut 20 000 et pas 30 000, comme l'avait jugé le juge de première instance. Il n'empêche que quand on se réfère aux écritures, c'était bien le visa qui incitait le juge à réduire, c'était le référentiel. Deuxième exemple au sujet d'un préjudice d'affection, puisqu'on va dire deux mots tout à l'heure au titre du préjudice d'affection. C'était une mère de 30 ans qui a perdu sa petite fille de 16 mois dans un accident de la circulation. Le juge de première instance, Saint-Brieuc, alloue une indemnité au titre du préjudice d'affection de 40 000 euros, au-delà de ce qui est préconisé par le référentiel, puisque c'est entre 20 et 30 000 euros pour la mort d'un enfant. Appel de l'assureur, cour d'appel de Rennes, au visa implicite, mais reprenant les écritures de la compagnie d'assurance appelant qui visait le référentiel mort-né, la cour d'appel réduit à 32 000 euros l'indemnité, pas 30 000, 32 000 euros l'indemnité, alors que tous les éléments étaient dans le dossier pour montrer que ces indemnités de 20 000, 30 000 étaient totalement insuffisante pour réparer le préjudice, eh bien là encore, on voit l'effet délétère ou aspirateur vers le bas du référentiel. Je pense que la vraie difficulté, c'est cet ordre de grandeur prédéterminé qui biaise le raisonnement du juge. Et au lieu que ce soit un outil d'aide à la décision et à l'harmonisation de la méthode d'indemnisation, on arrive à un outil de formatage de la décision et de l'indemnisation, mais on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Merci beaucoup pour cette démonstration et ce bain de pratique. Alors, je cède la parole maintenant à Maître Nicolas Estienne, donc avocat au barreau de Bruxelles. Mais merci, chère Anne. Alors, en Belgique, nous sommes évidemment confrontés aux mêmes questions, aux mêmes difficultés, oserais-je dire aux mêmes imperfections qui sont suscitées par l'évaluation financière des préjudices extra-patrimoniaux. Nous disposons également d'un référentiel de la magistrature, le tableau indicatif, qui propose de manière purement indicative et donc de manière non contraignante des forfaits par point d'incapacité permanente ou par degré de préjudice esthétique, et ce, en fonction de l'âge de la victime à la date de la consolidation. C'est ce que nous appelons le forfait global ou le forfait absolu, qui est donc le fruit d'une évaluation en équité, par essence subjective. Mais, avec l'aide de notre Cour de cassation, nous sommes arrivés au constat
que le forfait est une méthode de calcul, multiplier l'âge par le point d'incapacité, c'est une méthode de calcul, mais qui est en réalité beaucoup trop approximative et qui cadre très mal avec les deux impératifs fondamentaux de l'indemnisation, que sont d'une part le principe de la réparation intégrale et d'autre part le principe de l'évaluation concrète. Et on s'est dit qu'on pouvait faire mieux que le forfait global, qu'il est parfaitement possible, même lorsqu'il s'agit d'évaluer un préjudice extra-patrimonial permanent, d'utiliser une méthode de calcul beaucoup plus précise et objective, à savoir la méthode de la capitalisation. Car la méthode de la capitalisation présente plusieurs avantages par rapport à la méthode forfaitaire. Tout d'abord, sauf peut-être pour les préjudices très minimes, force est d'admettre que la victime subit et va subir à l'avenir son préjudice de manière quotidienne, au jour le jour. C'est tous les jours et pour le restant de sa vie que la victime va ressentir dans sa vie personnelle les limitations, les souffrances, les troubles liés à son handicap. Il apparaît donc plus logique et surtout plus précis d'évaluer son préjudice sur une base journalière, puisque dans l'absolu, la victime devrait recevoir chaque jour un montant X. La capitalisation permet par conséquent d'intégrer comme paramètre une indemnité journalière dont la fréquence cadre très précisément avec la nature du dommage à réparer. Et je rejoins ici tout à fait ce que Stéphanie Porcher-Simon disait tout à l'heure, à savoir qu'il faut intégrer une meilleure prise en compte de la temporalité de la souffrance. Et c'est le problème, c'est tout le problème des référentiels et des forfaits qui sont proposés par les référentiels. En définitive, ces forfaits sont tournés vers le passé, puisqu'ils sont le fruit d'une jurisprudence qui a été rendue pour des accidents qui sont parfois déjà très anciens. Alors que la réparation d'un préjudice extra-patrimonial permanent, mais par essence, elle doit viser le futur. Deuxième avantage de la capitalisation par rapport au forfait, elle permet d'affiner l'évaluation en faisant la distinction entre le préjudice permanent passé, c'est-à-dire celui qui a déjà été subi depuis la consolidation, et le préjudice permanent futur, c'est-à-dire celui qui est postérieur au jugement ou au règlement transactionnel. Et pour ce préjudice futur, le calcul de capitalisation va prendre en compte un paramètre essentiel et objectif qui nous est donné par les tables de mortalité, à savoir l'espérance de vie de la victime. Cette espérance de vie, on le sait, n'est pas la même selon que la victime est un homme ou une femme. Le forfait global ne fait pas la distinction selon le sexe de la victime, ce qui est à mon sens très critiquable. Alors on répond parfois qu'un forfait unique, asexué, permet d'assurer une égalité entre les victimes. Or, la réparation du dommage corporel ne doit pas répondre à un impératif d'égalité, mais bien à un impératif d'intégralité et de personnalisation. La capitalisation permet encore de tenir compte de l'avantage dont bénéficie en principe la victime du fait qu'elle perçoit anticipativement l'indemnité destinée à réparer son préjudice futur. Cet avantage se traduit au travers du taux d'intérêt qui sert de base au calcul de capitalisation. Alors on sait que le barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais recommande un taux de 0%, de sorte que pour l'heure, cet avantage est nul, mais il faut se souvenir qu'il n'en a pas toujours été ainsi et qu'il y a encore quelques années, on capitalisait sur la base d'un taux d'intérêt technique de 1%, voire davantage. Enfin, la capitalisation permet, bien plus que le forfait, d'assurer une cohérence et une continuité entre la manière dont on a évalué le préjudice temporaire, le plus souvent sur une base journalière, et la manière dont on évalue le préjudice permanent. Pourquoi faudrait-il nécessairement faire différemment une fois la consolidation acquise? Alors, ces différents avantages de la capitalisation par rapport au forfait global, ils sont aujourd'hui bien ancrés dans la jurisprudence belge, en tout cas francophone, qui admet donc actuellement, sans grande difficulté,
qu'un préjudice extra-patrimonial puisse être indemnisé par le recours à la méthode de la capitalisation. Ceci est en tout cas vrai pour le DFP, que nous appelons en Belgique l'incapacité personnelle permanente, et dans une moindre mesure pour le préjudice esthétique permanent. J'y reviendrai lors de ma deuxième intervention. La Cour de cassation, je vais vous passer l'une ou l'autre diapositive, la Cour de cassation de Belgique a très largement contribué à cette évolution, et elle l'a fait en différentes étapes. Vous voyez sur l'écran, la première diapositive, le premier principe qui a été dégagé par la Cour de cassation, c'est un principe qui a été dégagé au début des années 1990 et qui a été confirmé à de très nombreuses reprises depuis lors. Donc ce premier principe, c'est que l'évaluation forfaitaire est une méthode de calcul qui est subsidiaire par rapport aux deux autres méthodes que sont la capitalisation et la rente indexée. Donc vous voyez à l'écran le principe, ce principe de hiérarchie des méthodes d'indemnisation. Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage, c'est-à-dire à un forfait global, à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage. Donc, lorsque la victime propose d'évaluer son préjudice extra-patrimonial permanent par le biais d'une capitalisation, le juge qui entend ne pas faire droit à cette demande est tenu à un double devoir. D'abord, il doit constater qu'il est absolument impossible de fixer l'indemnité de manière plus précise, et donc autrement que par un forfait global. Et ensuite, le juge doit bien entendu motiver sa décision et expliquer pourquoi il ne peut accepter de capitaliser. Et ce double devoir, il doit s'exercer à l'aune du principe de l'évaluation in concreto, et donc sur la base des circonstances propres à la cause, et non sur la base de considérations générales et abstraites. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 janvier 2014 que l'obligation pour le juge qui répare un dommage ex aequo et de bono de constater l'impossibilité de le fixer de manière plus précise est le corollaire de la règle selon laquelle la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, celui-ci devant être évalué in concreto. Mais donc le forfait, ce n'est qu'un pis-aller. On ne peut l'appliquer qu'en dernier recours, quand on ne peut vraiment pas faire autrement. Premier enseignement de la Cour de cassation. Deuxième enseignement, il résulte d'un arrêt du 22 avril 2009 que vous voyez reproduit sur l'écran. Le premier attendu confirme ce principe de subsidiarité du forfait que je viens de rappeler. Puis, vous voyez, la Cour de cassation dit que pour allouer au demandeur une indemnité de 32 500 euros, forfait global, en réparation du dommage moral afférent à l'incapacité permanente qu'il a encourue à la suite de l'accident dont le défendeur a été jugé responsable, le jugement attaqué se borne à considérer que l'indemnisation forfaitaire par point d'incapacité s'indique en raison du caractère purement moral du préjudice. Et la conclusion de la Cour de cassation, ainsi le jugement ne constate pas l'impossibilité de déterminer le dommage autrement qu'en équité, il ne justifie dès lors pas légalement sa décision. Donc, la circonstance que le préjudice à réparer soit un préjudice moral, un préjudice extra-patrimonial, ne permet pas de justifier un recours systématique au forfait, ni d'écarter le recours à la méthode de la capitalisation. La nature du dommage, et singulièrement sa dimension extra-patrimoniale, est donc indifférente quant à l'application de la méthode de capitalisation. Et enfin, troisième principe affirmé par la Cour de cassation belge dans un arrêt du 15 septembre 2010, arrêt qui lui aussi a été confirmé à plusieurs reprises depuis lors, eh bien, c'est qu'on peut parfaitement capitaliser un préjudice extra-patrimonial par référence à une base journalière, quand bien même cette base de calcul a été fixée forfaitairement.
Donc, vous le voyez, la Cour de cassation dit que le juge peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant la méthode de la capitalisation. Mais là, le principe est clair. Le juge peut utiliser la méthode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considérer que ce mode de calcul s'avère plus objectif pour projeter dans l'avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a été fixée forfaitairement. En considérant que la capitalisation sur une base journalière forfaitaire est prohibée, les juges d'appel ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil. C'est un principe qui est tout à fait essentiel, car il valide le raisonnement qui consiste, pour permettre une évaluation plus précise du préjudice extra-patrimonial, à déplacer l'évaluation forfaitaire du point d'incapacité, comme on le fait dans le forfait global, vers une base journalière. Et c'est cette valeur journalière forfaitaire qui pourra ensuite servir de base pour une capitalisation, ou pourquoi pas, pour l'octroi d'une rente indexée, si le juge estime que ce mode d'indemnisation est plus adéquat dans le cas d'espèce qui lui est soumis. Merci beaucoup pour ces perspectives qui sont aussi l'objet de la conférence et que donc nous recherchons. Le référentiel étant, l'a rappelé M. Mornay, uniquement indicatif et donc ouvert, on peut proposer autre chose. Je voudrais maintenant que nous passions au déficit fonctionnel permanent. Et pour entamer la discussion, je vais la passer à M. Mornay. Merci beaucoup. Je dirais simplement, juste pour rebondir sur ce que disait notre avocat bruxellois, c'est que le problème de le terme de forfait est un terme qui, chez nous, ne peut même pas apparaître. Parce que si le juge emploie ce terme et fait une évaluation forfaitaire du préjudice, il est sûr que sa décision sera censurée. C'est un peu hypocrite. Hein. Vous faites du forfait sans pouvoir le dire. Mais c'est ce que dit la Cour de cassation, en tous les cas. Je ne fais que faire évoquer la jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, sur le déficit fonctionnel permanent, quelques mots, assez rapidement, parce que je vois que nous avons déjà largement dépassé chacun notre temps qui nous était imparti. C'est vrai que je pense que l'évaluation financière du DFP, c'est un vrai sujet, tant beaucoup d'entre nous trouvent que l'indemnisation de ce déficit fonctionnel n'est pas toujours adaptée. Alors, dans le référentiel, puisque moi je suis chargé d'évoquer la question du référentiel, donc j'évoque ce qu'il en est, nous utilisons un tableau à double entrée, avec les colonnes qui correspondent à des tranches d'âge de 10 ans, et les lignes correspondent à des tranches de 5% de déficit fonctionnel permanent. Alors, ce tableau, on ne l'a pas inventé. Ce tableau, en fait, il est inspiré, il est l'héritier, si je puis dire même, d'un graphique que proposait Max Leroy dans son ouvrage de droit du dommage, de réparation du dommage corporel dans les années, je ne sais plus quelles années, mais enfin, il y a très longtemps, lorsque j'étais un très jeune juge. Et avec un graphique un petit peu, alors je ne sais pas s'il y a moyen de montrer ça à l'écran, mais je vais essayer de le décrire surtout, un graphique qui consistait à, je ne sais pas s'il y a moyen de montrer ça, non, ce ne sera pas ça, bon. Pour faire clair, en abscisse, une échelle des taux d'incapacité, de 0 à 100%, en ordonnée, une échelle de prix de 1%, d'incapacité, allant de 500 euros à 5000 euros, à l'époque c'était des francs, je l'ai juste traduit, et qui, dans ce graphique, il y avait des lignes d'âge qui correspondaient à l'âge de 10 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 50 ans, etc., qui étaient telles que la ligne de 0 à 10 ans était une ligne qui montait très rapidement en prix, alors qu'en revanche, la ligne de 80 ans était non pas horizontale, mais montait beaucoup plus lentement en prix. Et le rôle du juge consistait à rechercher le taux d'incapacité, à prendre la ligne ou à imaginer la ligne de l'âge de la victime pour trouver, en ordonnée, le prix du point d'incapacité. Et en fait, le tableau qui est dans le référentiel n'est que le reflet arithmétique de ce type d'évaluation.
Donc voilà d'où ça vient, parce que quand même, on n'a pas inventé. Voilà d'où il vient, et nous avons d'ailleurs eu un grand débat au moment de l'élaboration du référentiel, qui consistait à savoir si on utilisait un calculateur, ce qui m'apparaissait encore bien pire, parce que là, le calculateur, ça veut dire qu'on rentrait l'âge et le taux, et hop, on avait l'indemnité globale, sans savoir comment ça s'était passé. Donc le fait d'avoir un prix du point permet au moins d'imaginer un peu ce qu'il pourrait y avoir autour. Donc on est resté sur ce tableau qui est le fruit de ce graphique. Ensuite, je voudrais dire que, donc je l'ai déjà dit, mais c'est un outil indicatif qui donne une base de discussion sur l'indemnisation du DFP, lequel doit prendre en compte les douleurs et les troubles dans les conditions d'existence. Alors, précision quand même, ce graphique ou ce tableau prennent en compte la durée pendant laquelle la victime va subir le préjudice, puisque plus elle est jeune, plus le prix du point est élevé, et plus le taux est élevé, plus le prix est élevé également. Donc, il y a quand même des prises en compte de ces éléments-là. Et on rappelle régulièrement que quand on indemnise le DFP, ce n'est pas seulement l'incapacité physique, physiologique, neurologique et psychique, c'est également les douleurs, à supposer qu'elles soient évaluées par le médecin, ce qui n'est pas toujours évident, et également les troubles dans les conditions d'existence, qui, elles, ne relèvent absolument pas du médico-légal, et qui donc doivent être prises en compte également au-delà de l'indemnisation, qui est une base de discussion en quelque sorte. Après, voilà pourquoi on a ces outils. Alors, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il est proposé, par contre, une évaluation par jour, avec un genre de forfait quotidien, pour reprendre l'expression belge, et en fonction, pour les troubles de l'existence, à laquelle s'ajoute le préjudice sexuel temporaire, le préjudice d'agrément temporaire. Et là encore, la méthode qu'on a évoqué dans le référentiel, n'est que l'héritage d'une jurisprudence ancestrale qui était sur le demi-SMIC, je parle de mémoire hein, devant tout le monde, le demi-SMIC qu'on allouait par mois d'ITT à l'époque, puisque c'est de ça dont on parlait. Donc voilà d'où ça vient également. Et après, c'est vrai qu'on peut être tenté de comparer le DFT, déficit fonctionnel temporaire, avec le déficit fonctionnel permanent, avec, bien entendu, la difficulté que ce n'est pas toujours comparable, en ce sens que le déficit fonctionnel temporaire indemnise les troubles dans les conditions d'existence, il est total pendant la durée d'hospitalisation et de rééducation, il est partiel à partir du retour à domicile, enfin il peut être partiel à partir du retour à domicile, mais ça prend également en compte le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément. Le déficit fonctionnel permanent comprend d'abord l'incapacité, bien sûr, puis des troubles dans les conditions d'existence. Mais quand on compare les deux postes, on a les douleurs temporaires qui sont évolutives, notamment lorsque la victime a été hospitalisée et opérée à plusieurs reprises. Elles ne sont pas dans le DFT. Elles sont indemnisées à part, toutes les souffrances endurées, alors que les douleurs permanentes, elles, sont dans le déficit fonctionnel permanent. Le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément, à l'inverse, sont indemnisés dans le déficit fonctionnel temporaire, alors, lorsqu'ils sont temporaires, alors qu'ils sont inclus. Enfin, ils sont inclus dans le DFT, pardon, lorsque c'est temporaire, alors qu'ils sont indemnisés de manière autonome lorsque c'est permanent. Donc on voit bien que les deux postes sont pas toujours faciles à comparer pour autant. Alors, je sais qu'il y a des nouvelles propositions des avocats qui proposent des modes d'évaluation du DFP, notamment par une évaluation quotidienne, annualisée, capitalisée, mais ça, je pense qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi. Voilà. Mais Monsieur Mornay, le référentiel est ouvert à ces propositions. Enfin, voilà. Je sais pas si le référentiel est... Enfin, n'empêche pas l'ouverture vers ces propositions. Eh bien, vous l'avez annoncé, donc je passe la parole à Maître Barulier. Oui, merci. Alors, effectivement. On a essayé à plusieurs de se pencher sur la problématique de l'indemnisation du déficit fonctionnel sur la base d'un point d'incapacité. Monsieur Mornay, vous nous avez rappelé et bien expliqué que finalement ce point d'incapacité, cette valeur du point d'incapacité, c'était basé sur un principe de proportionnalité. Plus on est jeune, plus la valeur du point est élevée.
et également un principe de gravité de l'atteinte. Plus l'atteinte et le taux d'incapacité est élevé, plus la valeur du point d'incapacité sera élevée. Et effectivement, on a cette espèce de courbe qui montre que plus une victime sera jeune, plus apparemment elle sera mieux indemnisée qu'une victime à taux d'incapacité identique qui sera plus âgée. Vous nous avez extrêmement bien expliqué que le point d'incapacité, comme son nom l'indique, n'indemnise que l'incapacité. Donc le volet incapacitaire du préjudice qui aujourd'hui n'est plus seulement composé de l'AIPP, du taux d'incapacité, mais qui comprend d'autres éléments qui sont les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d'existence. Et ce taux d'incapacité, il faut vraiment garder à l'esprit qu'il n'est fixé que par les médecins, avec un outil unique qui est utilisé par tous les médecins, pour qu'on ait justement une égalité dans l'évaluation du taux d'incapacité et que ce ne soit pas médecin dépendant. La victime qui a un bras avec une limitation de mobilité devrait théoriquement avoir le même taux d'incapacité selon qu'il est indemnisé par selon que son dommage est évalué par le docteur X ou par le docteur Y, elle devrait avoir le même taux d'incapacité. On voit que, en théorie, tout ça est très bien et très logique, puisque la jeune victime sera mieux indemnisée que la victime plus âgée. Sur le tableau que vous avez là, j'ai repris les valeurs du point d'incapacité selon l'âge de la victime en prenant un taux exemple de 10% d'incapacité. Dans le référentiel indicatif, une victime de 11 ans pour 10% d'incapacité a une valeur du point de 2475 euros et un capital représentatif x 10 de 24 750. Victime de 50 ans, 1 800 euros du point, la valeur est moindre puisque la victime est plus âgée, et indemnité forfaitaire représentative, 18 000 euros. On n'a pas... Malheureusement, je n'arrive pas. La victime de 80 ans, valeur du point encore inférieure, 1130 euros, capital représentatif, 11 300 euros. Jusque-là, c'est effectivement logique. La victime la plus jeune sera la mieux indemnisée avec un capital représentatif plus élevé. Sauf que il nous a été expliqué que cette valeur du point était fixée en tenant compte de la durée pendant laquelle la victime allait vivre son préjudice. Et si on rapporte ce capital représentatif à la durée de la vie de la victime, donc c'est 10% d'incapacité, 11 ans, 10% d'incapacité, 24 750. Si on le divise par l'espérance de vie, 68,613, on a une indemnité journalière de 99 centimes d'euros. On prend 24 750 qu'on divise par 365 et par l'espérance de vie, 99 centimes d'euros pour cette victime de 11 ans. Même calcul pour la victime de 50 ans. On arrive à 1,57 euros par jour. Et même calcul pour la victime de 80 ans. Et on arrive à 3,48 euros par jour. Le résultat saute aux yeux, c'est que finalement, la victime de 11 ans qui va vivre beaucoup plus longtemps son préjudice va être indemnisée 99 centimes d'euros par jour sur la base du référentiel, là où la victime de 80 ans va être indemnisée 3,48 euros par jour. Ce qui fait en réalité et au quotidien que la victime de 11 ans sera 3,52 fois moins bien indemnisée que la victime de 80 ans. Est-ce que le postulat de départ, c'était pas que les jeunes victimes qui vont vivre plus longtemps leur préjudice soient mieux indemnisées que les victimes âgées? Est-ce qu'on n'arrive pas exactement au problème inverse qui est qu'il y a une surindemnisation ou une sous-indemnisation des jeunes victimes qui vont vivre beaucoup plus longtemps leur préjudice? Quand on pousse le raisonnement, on se dit, finalement, cette valeur du point, elle est unisexe. Identique, c'est un taux d'incapacité, c'est un âge qui détermine la valeur du point. Que se passe-t-il si ma victime de 10 ans est une femme ?
Si ma victime de 10 ans est une femme, j'aurai la même valeur du point d'incapacité, 2 475 euros, indemnité forfaitaire à 11 ans, 24 750. Pour, on n'a pas sur mon tableau, l'homme, 99 centimes d'euros. Là, c'est 1 euro parce que j'ai pris le barème de la Gazette du Palais. Et si c'est pour la femme, qui a une espérance de vie plus longue, on a une indemnisation à valeur du point identique de 91 centimes d'euros, soit une différence de 9 centimes d'euros par jour, juste parce qu'elle est une femme. Même constat, évidemment, pour la victime de 50 ans, selon qu'elle est un homme ou une femme, et même constat pour la victime de 80 ans, où l'homme aura 3 euros, je pense que je me suis trompée dans mon tableau, c'est l'inverse, c'est ça, c'est l'homme qui est 99, c'est la femme qui est 99 centimes, l'homme qui est 1 euro, le 50 ans c'est la même chose, la femme est, mais non, je me suis trompée de tableau, pardon, voilà c'est ça. La victime de 50 ans, 1 800 euros du point. L'homme aura 1,60 euros par jour, on le divise par son espérance de vie à 50 ans. Et la femme aura 1,37 euros par jour. Il y a une différence de 16% entre les deux. Même chose pour la victime de 80 ans, avec 25% de plus d'indemnisation pour la victime de 80 ans. Il y a donc un vrai problème sur cette valeur du point, puisqu'on voit que non seulement les jeunes victimes sont bien moins indemnisées que les victimes plus âgées, et que les femmes, pour les femmes, c'est la double peine, puisqu'elles, elles sont aux deux niveaux moins bien indemnisées, juste parce que dans le référentiel, la valeur du point ne distingue pas selon que la femme, la victime est une femme ou un homme. Monsieur Mornay parlait du graphique tout à l'heure. Alors moi, j'ai fait un graphique pour essayer de montrer la problématique. Vous avez en abscisse le taux d'incapacité, donc qui se trouve sur la ligne en bas. En ordonnée, en escalier rouge descendant, le capital sur la base de la valeur du point préconisé au référentiel. Donc la jeune victime qui se trouve ici a effectivement un capital plus élevé que la victime âgée qui se trouve ici. 8 500 contre à peu près 25 000, et rapporté au jour, on voit effectivement tout le problème, puisque la courbe bleue montre l'indemnisation journalière. Ce dont on se rend compte également avec ce graphique, c'est que la valeur du point variant par tranche de 5 points, tous les 5 points, la valeur du point augmente dans le référentiel, on a des espèces de marches, où pendant 10 ans, une victime va être indemnisée exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'entre 0 et 10 ans, alors qu'il y a quand même 10 ans d'écart, on va lui donner le même capital représentatif, alors qu'elle aura vécu en réalité son préjudice 10 ans de plus pour la toute jeune victime. On a donc cette vraie difficulté sur ce point d'incapacité. Est-ce que on doit forcément considérer que c'est bon à jeter? Je ne pense pas, parce que effectivement, il y a un vrai besoin de sécurité juridique, de sentiment aussi que un bras est égal à un bras et que selon la valeur du référentiel, eh bien, c'est juste et égal que le bras de ma voisine ou de mon voisin soit objectivement indemnisé de la même façon, sauf qu'ensuite on passe au stade de l'indemnisation. Et là, c'est tout le pouvoir du juge qui reprend sa liberté, puisque le juge doit indemniser la façon dont la victime va vivre au quotidien son atteinte objective, avec des souffrances endurées qui n'auront pas permis de fixer le taux d'incapacité, sauf dans des cas extrêmement précis qui sont au référentiel, et avec des troubles dans les conditions d'existence qui, par définition, et les experts l'écrivent, ne sont pas barémisables dans un taux. Donc on est certain d'une chose, c'est que le taux d'incapacité n'évalue que le volet incapacitaire du préjudice. On a d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, en 2014, a rendu un arrêt qui indemnisait et qui validait, pardon, le raisonnement de la Cour d'appel de Paris d'avoir indemnisé le déficit fonctionnel permanent
alors même qu'il n'était constitué que de souffrances endurées et de troubles dans les conditions d'existence, et que ces souffrances endurées et ces troubles dans les conditions d'existence, par définition, en ce qui concerne les souffrances, elles n'étaient pas de nature à générer un taux d'incapacité dans le référentiel. Le médecin avait acté dans le rapport d'expertise qu'il y avait des souffrances pérennes et quotidiennes qui étaient vécues par la victime, qu'elle avait des troubles dans les conditions d'existence, mais que dans le barème médico-légal d'évaluation de l'incapacité, ces souffrances et ces troubles dans les conditions d'existence ne justifiaient pas de fixer un taux d'incapacité. Et la Cour de cassation valide le fait que la Cour d'appel a quand même indemnisé le déficit fonctionnel permanent, ce qui montre bien que le taux d'incapacité et la valeur du point dans le référentiel n'indemnisent qu'une des seules trois composantes du préjudice. Dans le référentiel de 2021, le tout récent qui vient d'être mis à disposition, les choses sur cette problématique sont un peu plus claires, puisque en page 64, il est bien rappelé, après l'exemple qui est donné, que le taux de déficit fonctionnel, attention, n'appelons pas les choses autrement que ce qu'elles sont, le taux de déficit fonctionnel qui est évalué par l'expert n'est pas un taux de déficit fonctionnel permanent, parce que ce ne sont pas les mêmes choses, que le déficit fonctionnel fait partie du déficit fonctionnel permanent, mais il ne constitue pas à lui seul le préjudice. Donc dans le référentiel de 2021, il est bien indiqué que le taux de déficit fonctionnel déterminé par le médecin ne tient pas nécessairement compte des souffrances permanentes, vous l'avez dit, Monsieur Mornay, et des troubles dans les conditions d'existence. Et il est indiqué, dans ce cas, le juge peut majorer l'indemnité pour prendre en compte l'indemnisation de ces éléments. Dans ce cas, le juge ne doit-il pas majorer les indemnités pour prendre en compte ces éléments, puisqu'ils ne sont pas inclus dans la valeur du point du référentiel? Alors, on voit que ces dernières années, les juges sont bien sensibilisés à la question, qu'ils essayent de réfléchir au problème pour voir comment on peut y apporter une solution. Et on a plusieurs décisions qui montrent que plusieurs solutions sont possibles. D'abord, j'ai pris un extrait du tribunal judiciaire de Bordeaux qui rappelle la définition du déficit fonctionnel permanent, qui indique que les experts désignés ont évalué une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 2% en référence au barème commun, lequel n'inclut pas les souffrances endurées de manière définitive, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence, et qui... indemnise le préjudice sur la base d'un point d'incapacité de 3 400 € pour 2%, ce qui n'est absolument pas dans les propositions du référentiel, mais bien au-delà, et qui alloue donc à la victime 6 800 € en réparation de son préjudice. Donc c'est une valeur du point qui est tout à fait augmentée par rapport à ce que le référentiel propose. Autre possibilité, le tribunal de Paris en 2019, qui rappelle que la notion d'atteinte à l'intégrité physique et psychique n'est pas synonyme de déficit fonctionnel permanent, et qui alloue là aussi un capital, 11 000 €, sans expliquer comment il a déterminé ce capital, alors que la valeur du point qui était proposée dans le référentiel était de 2 000 et quelques euros de mémoire. Autre possibilité qui sont... avoir ma diapo. Voilà, c'est mieux, mais je ne sais pas si c'est visible. On voit pas trop. Ouais, je crois que malheureusement, la visibilité à l'écran n'est pas terrible. C'est le retour que m'a fait Stéphanie Porcher-Simon. Donc on essaiera de mettre les documents peut-être à disposition du public, mais ce n'est peut-être pas la peine d'essayer de zoomer, parce que ce n'est pas forcément terrible. Donc la décision du tribunal judiciaire de Caen, 11 mars 2021,
qui rappelle que la valeur du point pour 75% d'incapacité, c'est 6 115 euros sur la base du référentiel, et qui décide d'ajouter les autres composantes en fonction des éléments relevés et justifiés par ailleurs. Concernant les souffrances endurées de façon pérenne, il considère qu'il est justifié d'allouer 10 000 euros par référence à l'échelle d'évaluation à 7 degrés, soit 3 sur 7 augmentés eu égard à l'espérance de vie du sujet très jeune, et concernant les troubles dans les conditions d'existence, en prenant en compte les appareillages et aménagements, le tribunal considère que les troubles dans les conditions d'existence de cette victime particulière seront réparés 20 000 euros, et il additionne les 458 625 plus les 10 000 plus les 20 000, ce qui fait 488 625 pour cette victime, là où le référentiel ne proposait que 458 625. Donc il y a une indemnisation qui apparaît là aussi plus individualisée qu'avec un référentiel, évidemment. L'autre solution, c'est la Cour d'appel de Caen en 2019, qui, dans un attendu extrêmement clair, rappelle que la méthode d'indemnisation du point d'incapacité permet de prendre en compte et d'indemniser le déficit physique et psychique objectif. Elle ne permet pas de parvenir à une indemnisation complète puisqu'elle n'intègre pas les souffrances ressenties après la consolidation et l'atteinte subjective à la qualité de vie. Or, ces deux derniers éléments composent également ce poste de préjudice. La Cour constate que la victime va subir son préjudice pour le restant de sa vie dans toutes ses composantes et que, compte tenu du caractère viager des différentes composantes de ce préjudice, le principe d'une indemnisation financière évaluée sur la base sur une base journalière peut être retenu. C'est la solution de nos confrères belges, qui est ici retenue par la Cour d'appel de Caen. Cette décision n'a pas fait beaucoup de petits, malheureusement, à ce jour, sauf chez les juges de première instance, où, là, je vous ai cité un extrait du tribunal judiciaire de Cherbourg, qui retient exactement la méthode proposée par... demandée par la victime, évidemment, et qui est celle appliquée en Belgique, d'une indemnisation journalière capitalisée sur la base de l'espérance de vie de la victime, en distinguant les arrérages échus entre la date de consolidation et la date de la décision, puisque la Cour de cassation nous rappelle quand même que le préjudice doit être évalué au jour de la décision, ce qui est quand même un élément extrêmement important, que le forfait absolu s'est exclu, que là, on tient compte de toutes les composantes et ça permet de réparer le préjudice dans toutes ces composantes, en sachant que lorsqu'une victime décède en cours de procédure, eh bien, que fait le magistrat sur la base de notre système aujourd'hui actuel de la valeur du point ? Il décapitalise ce qu'il aurait dû donner à la victime si elle avait vécu, le référentiel décapitalisé, et il tient compte du nombre de jours qui se sont écoulés entre la date de consolidation et la date du décès. Alors, toutes ces décisions, elles montrent que on est à peu près tous d'accord que aujourd'hui la méthode du point d'incapacité, elle est passée. Monsieur Mornay, vous avez commencé vos propos en disant que ça ressortait d'une jurisprudence ancestrale. Visiblement, oui, cette méthode d'indemnisation au point est ancestrale et obsolète. En réfléchissant à ce que j'allais pouvoir vous dire ce soir, je me suis dit également que finalement, le dommage corporel, c'était un peu comme la médecine. La médecine évolue avec le temps. La définition de notre préjudice, atteinte à l'intégrité physique et psychique, a évolué avec le temps. On trouve des nouvelles méthodes d'indemnisation pour prendre en compte les composantes en intégralité du préjudice. Et lorsqu'une technique opératoire n'est plus sécurisée et qu'elle ne permet pas d'assurer la sécurité d'un patient, on en change. Aujourd'hui, la valeur du point d'incapacité, c'est une technique réparative qui ne permet plus d'assurer la réparation intégrale du préjudice. Et on est arrivé à un moment charnière où on doit changer de méthode pour réparer le préjudice dans toutes ses composantes. Merci beaucoup. Alors, pour conforter la démonstration, je pense que la parole doit être passée à Maître Estienne. Merci. Alors, en Belgique, comme vous l'avez compris, sur la base des principes que j'ai rappelés lors de ma première intervention, la jurisprudence actuelle indemnise l'équivalent du DFP, donc ce que nous appelons l'incapacité personnelle permanente, de manière quasi systématique en ayant recours à la méthode de la capitalisation.
Il n'y a guère plus que les DFP inférieurs à 5% qui ne sont pas capitalisés. Et encore, certains juges, la jurisprudence assez récente, estiment que dès qu'un préjudice extra-patrimonial, aussi minime soit-il, est permanent, il peut et il doit être évalué par capitalisation. Donc on a des jugements qui admettent la capitalisation pour des DFP de 2 ou 3%. Alors les juges du fond retiennent une valeur journalière qu'ils fixent librement, le pouvoir d'appréciation souverain du juge, mais qui aussi, en règle générale, entre 25 euros par jour et 40 euros par jour, en fonction des circonstances concrètes de la cause et singulièrement en fonction de la gravité du handicap. Bien entendu, plus le handicap est important, plus il altère de manière exponentielle la qualité de vie de la victime, et donc plus les juges auront tendance à retenir une base de calcul élevée. À titre d'exemple, je viens d'obtenir un jugement qui capitalise sur une base de 35 euros par jour un DFP de 30% chez une femme de 40 ans victime d'un traumatisme crânien responsable de troubles cognitifs et mnésiques relativement importants. Notre référentiel de la magistrature, donc notre fameux tableau indicatif, il recommande quant à lui, à titre indicatif, une base de 28 euros par jour d'incapacité à 100%. Et donc, l'important, la démarche en Belgique, c'est vraiment de laisser au juge le soin de fixer la valeur journalière de manière forfaitaire, puisque effectivement c'est de l'extra-patrimonial, donc à un moment donné il faut quand même bien faire du forfait, mais on le met bien au niveau de la base journalière. Et cette base journalière, elle est ensuite multipliée par le taux d'incapacité, d'AIPP, et pour le futur, on va procéder à un calcul de capitalisation sur la base de paramètres que je n'ai malheureusement pas le temps de vous exposer aujourd'hui, mais qui tiennent compte, vous savez comment fonctionne la capitalisation, on tient compte de l'âge de la victime, de son sexe, de son espérance de vie, du rendement que le placement du capital est susceptible de produire, et de l'inflation. Alors grâce à Alice Barlier, j'apprends que la jurisprudence française s'engage, mais très timidement, dans la voie de la capitalisation du DFP. Moi, je pense qu'il faut s'en réjouir, non seulement pour les victimes, mais aussi et surtout au nom du sacro-saint principe de la réparation intégrale. J'ai été consulté la page 65 du référentiel, de votre référentiel, Benoît. Tu en es un des auteurs, si j'ai bien compris. Mais donc, ce fameux tableau que vous avez à cette page 65 avec les points, la valeur du point qui est fixé. Alors j'observe tout d'abord que les forfaits qui sont proposés pour l'évaluation du DFP sont fixés par tranche d'âge de 10 ans. Comment peut-on décemment concilier cela avec l'impératif d'une évaluation personnalisée, concrète ? On ne peut évidemment pas indemniser de la même manière le DFP d'une victime de 31 ans et celui d'une victime de 39 ans. 8 ans d'écart. Cela peut compter beaucoup dans une indemnisation. Vous avez vu les graphiques proposés par Alice, on a vu ces marches, mais ça ne peut pas être un escalier. Il faudrait que ce soit une belle courbe et non pas un escalier. Et donc l'application des forfaits recommandés par le référentiel conduit à une sous-indemnisation de la victime de 31 ans par rapport à celle de 39 ans, ou à une surindemnisation de la victime de 39 ans par rapport à celle de 31 ans, ce qui me paraît difficilement acceptable, tout simplement, de nouveau, au regard du principe de la réparation intégrale. L'application des forfaits recommandés par votre référentiel conduit aussi, et Alice l'a relevé, à une sous-indemnisation des victimes de sexe féminin, dont l'espérance de vie est plus importante que celle des hommes. Alors j'observe ensuite que le référentiel fixe la valeur du point par tranche de 5% d'incapacité. Ben, ici encore, où est l'évaluation in concreto ? On ne peut pas indemniser sur la même base un DFP de 21% et un DFP de 25%. À quoi ça sert de fixer des taux alors de 21 ? Sinon, on demande aux médecins de fixer des taux de 20, 25, 30. Mais si c'est 21, ça ne peut pas être égal à 25. Et alors j'ai été voir
dans le référentiel ce qui est recommandé pour le DFT cette fois-ci. Et donc j'ai vu que là, effectivement, il y avait une proposition d'une base journalière. Hein, on propose une base de calcul de 25 à 33 euros par jour selon que la victime est plus ou moins handicapée. Ce sont les termes du référentiel. Donc là aussi, je pense qu'il y a une prise en compte du caractère exponentiel de la souffrance. Évidemment, plus les taux sont élevés, plus la souffrance doit être valorisée. Et certainement, on doit mieux valoriser la base journalière pour une victime qui a 80% d'incapacité que pour une victime qui a 20%. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser en France, pour l'évaluation du préjudice permanent, cette même base de calcul qui est retenue à titre temporaire? Alors, j'ai entendu que, en réalité, le DFT, le DFP, c'est pas tout à fait la même chose, que ça ne se superpose pas, que quand c'est du temporaire, on englobe l'agrément, le sexuel. Par contre, les souffrances endurées, c'est distinct. Et puis, quand on arrive à la consolidation, ben, finalement, les souffrances, on va les englober dans le DFP, alors que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, on va les indemniser de manière distincte. Oui, bon, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent. A priori, il y a temporaire et permanent. Temporaire, c'est de l'accident à la consolidation. Permanent, c'est à partir de la consolidation jusqu'à la fin de la vie. Bon, ça, c'est peut-être une petite réflexion de langage. Je pense que la difficulté chez vous, elle provient probablement du fait que vous êtes dans le carcan d'une nomenclature, avec effectivement des difficultés de superposer. Mais cela n'est pas, selon moi, un motif suffisant pour ne pas accepter de retenir une base journalière dans le cadre de l'évaluation d'un préjudice permanent. Et je le répète, cette base journalière, vous pouvez parfaitement, elle peut parfaitement être modulée. Donc on peut dire, ben, les 30 euros qu'on a utilisés à titre temporaire, on va les diminuer, pour tenir compte du fait que le DFP, contrairement au DFT, n'englobe pas le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel. Ou alors, on peut, cette base journalière, on peut parfaitement la majorer en disant, ben, voilà, il faut tenir compte des souffrances endurées, il faut tenir compte des troubles dans les conditions d'existence. Là, c'est finalement la liberté du juge de fixer cette base journalière. Alors, j'ai aussi fait un petit exercice chiffré, en partant de l'exemple du référentiel en page 65, qui est l'exemple, donc c'est l'exemple qui figure sous le tableau avec les valeurs des points. Donc c'est l'exemple d'un homme de 25 ans à la consolidation et qui est atteint d'un DFP de 32%. Donc le référentiel propose une valeur de 3 740 euros par point. Ça fait 3 740 euros fois 32, ça fait donc plus ou moins 120 000 euros. Et si on convertit cette valeur de 120 000 euros en tenant compte d'une espérance de vie de l'ordre de 55 ans pour une victime de 25 ans, eh bien donc on arrive à un montant qui représente environ 5,95 euros par jour. Alors j'ai fait le calcul de ce que représenterait une capitalisation sur la base du barème de capitalisation Gazette du Palais 2020, une rente viagère, donc une rente payable pendant la vie entière de la victime, avec le taux recommandé par le barème, donc un taux de 0%. Le coefficient de capitalisation, il est de 54,404. Et donc, en retenant une base journalière de 30 euros, qui est a priori une moyenne entre les 25 et les 33, 30 euros, eh bien, donc on multiplie 30 euros par le taux d'incapacité 32%, on arrive à une valeur par jour de 9,60 euros. Vous voyez que ça représente 3 506,40 euros par an. Et si on multiplie par le coefficient de capitalisation donc donné par le barème de la Gazette du Palais, on arrive à un montant de supérieur à 190 000 euros. Donc vous voyez que la différence entre la méthode forfaitaire référentielle 120 000 euros et la capitalisation a abouti à une différence de l'ordre de 70 000 euros. Et alors j'ai fait le même exercice, cette fois-ci non plus pour un homme de 25 ans, mais pour une femme de 25 ans. Donc là, ben, le référentiel, c'est la même chose. L'homme et la femme reçoivent chacun 120 000 euros. Et donc là, en utilisant, là encore, le barème de la Gazette 2020, là, on,
Évidemment, la femme a une espérance de vie, surtout une femme de 25 ans, elle a une espérance de vie beaucoup plus importante que l'homme, enfin, en tout cas nettement plus importante que celle de l'homme. Et donc là, vous voyez que le coefficient de capitalisation, il est non plus de 54, mais il est carrément de 60,273. Et donc, on arrive ici à une indemnité pour la femme de 211 000 euros. Donc là, la différence entre le référentiel 120 000 euros et la capitalisation pour la femme, elle est de 92 000 euros. Et la différence entre l'homme et la femme dans la capitalisation, ben vous voyez qu'elle est de l'ordre de 22 000 euros. Donc ce sont quand même des montants qui ne sont pas négligeables. Et je pense que tout cela doit vous inviter quand même à réfléchir, parce que le problème essentiel du référentiel, vous le voyez en tout cas là, c'est flagrant, c'est que sous couvert d'une égalité entre les victimes, et finalement, on crée de l'injustice. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de passer la parole peut-être pour avoir le point de vue de Madame Porchi-Simon, et puis donc on passera au préjudice d'affection, mais de manière très elliptique. Merci. Oui, juste que très très rapides observations, puisqu'on a déjà bien avancé dans cette conférence. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, je voudrais juste peut-être donner quelques éléments sur le calcul au point. Enfin, dire deux trois observations et puis dire ce que je pense effectivement de l'idée d'un calcul sur la base d'un prix de journée. Bon, je dirais le calcul au point. C'est vrai que l'origine, ça a été les travaux de Max Leroy, mais c'était avant ça peut-être l'origine de la législation sociale. Et je crois qu'il y a des avantages quand même qu'il faut peut-être garder en tête. C'est évidemment qui va entre ses limites, on l'a bien compris, mais c'est la simplicité et se rappeler que l'évaluation du dommage corporel, malheureusement, n'est pas toujours une question d'hyper spécialiste et qu'il faut aussi que la victime comprenne. Comment elle est évaluée et ce souci d'égalité également entre victimes dont on a parlé. Alors cette méthode de calcul au point, effectivement, je crois que ça a été très bien mis en avant par Maître Marelier, mais c'est qu'elle est assez, elle peut être acceptable sous réserve évidemment d'ajustements techniques pour les composantes strictement physiologiques du DFP, c'est-à-dire pour la PIPP, et parce que ça repose sur le postulat qu'une atteinte identique a des conséquences purement physiologiques qui sont égales pour tous. Et il y a sans doute là-dessus des points à améliorer sur les méthodes de calcul, mais c'est acceptable en soi. Mais le problème, il est évidemment pour moi essentiel au regard de la réparation intégrale. Quand on prend en compte les autres composantes du DFP, donc les souffrances endurées postérieures à la consolidation et les troubles dans les conditions d'existence, où là, effectivement, le calcul au point ne peut plus fonctionner et les espèces de méthodes d'ajustement qu'on nous a expliquées ne fonctionnent pas non plus. Et je pense que pour résoudre les problèmes d'évaluation, une des premières façons de faire serait de séparer, dans l'hypothèse d'une nomenclature officielle, entre guillemets, de séparer ces postes, de rendre leur autonomie, ce qui les détacherait nécessairement d'une méthode de calcul inadéquate et obligerait sans doute à un peu d'inventivité pour créer de nouvelles méthodes d'évaluation. Alors sur l'idée du prêt de journée, évidemment, il n'y a aucun obstacle théorique. C'est évident à partir sur cette base-là pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, puisque c'est déjà la base que l'on utilise pour le DFT, sachant que le principe de la réparation intégrale, l'évaluation in concreto, ne serait évidemment autant, je dirais, satisfait, ni plus, ni mieux, ni plus mal, par cette technique-là que par les méthodologies actuelles. Il faut toutefois faire attention à quelques éléments. Déjà, sur quelle base, effectivement, fixer le prix de la journée, et notamment, voilà, des pistes de réflexion nous ont été données, mais quels sont les éléments, disons, qui vont rentrer dans le calcul de ce prix de journée? On retrouve la problématique, quid des souffrances endurées ou des troubles dans les conditions d'existence. Et puis quand même, il faut faire attention aussi sur le, je dirais, un risque ou une tentation de fuite en avant indemnitaire. Parce que il faut quand même prendre en compte, même si évidemment ça ne doit pas être le seul élément qui nous gouverne dans la fixation de ce montant du DFP, au montant auquel on parviendrait. Parce que s'il s'agit de mieux indemniser, oui, effectivement, là je souscris parfaitement, et notamment je pense que ça peut contribuer à une meilleure lisibilité de l'indemnisation pour la victime, parce que cette idée d'un prix d'une journée, c'est, à mon avis, symboliquement, c'est assez facile à comprendre. Si c'est simplement effectivement indemniser plus, je suis pas sûre que de fixer le prix de la journée à 4 euros, à 10 euros, à 99 centimes changera forcément la satisfaction de la victime par rapport au montant de l'indemnisation. Voilà, donc c'était vraiment des très brèves observations pour ne pas alourdir les débats et permettre qu'on puisse dire quelques mots du préjudice d'affection. Merci beaucoup. Donc, sans réagir, on n'en a pas le temps. Je lance la discussion sur le préjudice d'affection.
Et je vais donner la parole à Monsieur Mornay en premier lieu. Merci. Je vais être très rapide parce qu'il nous reste 12 minutes exactement pour terminer notre conférence. Donc, je disais tout à l'heure que le juge n'évalue pas le préjudice dans une boule de cristal. Je vais peut-être poser la question de manière un peu plus brutale. À quel prix peut-on indemniser la mort d'un enfant ? Et comment répondre à cette question sans avoir de repères ? Alors, il y a une première réponse qui était celle de l'Allemagne, qui disait plusieurs années, qui disait ben, « les larmes ne se monnayent pas ». Il y a une autre manière de dire la même chose, c'est de dire que la mort d'un enfant n'a pas de prix. Et quand on pose la question à des étudiants ou à des professionnels en formation, bien entendu, ils sont dans l'incapacité totale de répondre. Alors, j'ai évoqué les différences d'indemnisation entre une cour d'appel et l'autre, les difficultés qu'il y avait à essayer d'harmoniser tout ça, ou essayer de comprendre au moins. Et donc, le seul moyen, finalement, d'indemniser un préjudice d'affection, c'est de faire une évaluation subjective référencée au regard de ce que propose la jurisprudence. Mais ce n'est pas toujours simple. Le préjudice d'affection en cas de survie de la victime directe est-il nécessairement moindre que le préjudice d'affection en cas de décès ? On trouve des réponses très variables dans la jurisprudence. Dès lors que l'on sait que l'indemnité ne peut être que satisfactoire, il ne reste qu'à trouver des fourchettes d'indemnisation proposées par la jurisprudence. Et je repose la question initiale, à quel prix peut-on indemniser la mort d'un enfant ? Le préjudice est-il plus important parce que l'enfant décédé est jeune, voire juste-né, au motif que l'on va subir ce préjudice toute sa vie ? Au contraire, ce préjudice est-il moindre parce que l'enfant décédé à 40 ans, ce qui veut dire que les parents sont âgés, subiront ce préjudice moins longtemps ? Aurait-on une courbe d'indemnisation qui augmente avec l'âge jusqu'à l'âge adulte, un plateau jusqu'à 50 ans, et puis ça redescendrait au-delà de 50 ans ? Lorsque nous avons élaboré ce référentiel, il a été proposé de majorer le préjudice d'affection si le décès était la conséquence d'une infraction pénale ou d'une infraction volontaire. La douleur est-elle plus intense dans ces hypothèses-là ? Franchement, je suis dans l'incapacité de répondre objectivement et concrètement à l'ensemble de ces questions. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, je crains, et j'en terminerai par là, que les discussions dans lesquelles la mère de 5 ans plus jeune que le père va demander une indemnité plus importante parce que son espérance de vie devrait la conduire à supporter le préjudice d'affection plus longtemps, voire 10 ans de plus que le père, c'est compliqué tout ça quand même à expliquer. Donc, voilà. Et tout ça pour dire que vous comprendrez, et j'en terminerai par là, pourquoi l'indemnité de 45 millions d'euros allouée à un homme d'affaires au titre de son préjudice moral dans un arbitrage d'un contentieux commercial a pu étonner le praticien que j'étais. Merci beaucoup, cher Benoît, pour cette efficacité à poser la difficulté de la question, évidemment. Maître Barrelier. Oui, merci. Effectivement, c'est une question qui est complexe. Si on raisonne en capital, pourquoi est-ce que, en apparence, une femme qui est plus jeune que son mari devrait avoir une indemnisation plus élevée, alors que, sur la base d'un forfait, ils subissent le même préjudice ? Si on raisonne sur la base d'un jour forfaitaire d'indemnisation, les deux parents auront le même sentiment d'égalité dans l'indemnisation de leur préjudice, sauf que, effectivement, l'espérance de vie de l'un ne faisant pas celle de l'autre, ils comprendront à l'évidence assez facilement que celui qui est le plus jeune aura une indemnité plus élevée, puisque, par définition, il vivra son préjudice plus longtemps. Ce qu'on a un peu l'impression quand même, c'est que au-delà de la difficulté de l'évaluation, et on est tous bien d'accord que c'est loin d'être simple, on est quand même passé d'une indemnisation de l'euro symbolique à l'indemnisation d'un forfait symbolique, et que on n'arrive toujours pas à individualiser ces réparations. Peut-être que il faut quand même rappeler que le juge doit restituer les choses dans leur contexte, que nous lui apporterons dans le cadre de l'indemnité, qu'il pourra fixer les éléments qui lui permettront d'individualiser la réparation. Est-ce qu'il faut tenir compte de l'âge de la victime directe et de l'âge de la victime par ricochet ? Ça me semble effectivement une piste de réflexion qui est extrêmement intéressante, puisqu'on collera à la situation individuelle des victimes, que ce soit les victimes directes et les victimes par ricochet. La victime directe qui survit
occasionnera pour la victime par ricochet un préjudice qui sera subi au quotidien, voire la souffrance de son enfant, de son conjoint. Au quotidien, ça génère un préjudice d'affection qui est vécu chaque jour et qui, pourquoi pas, pourrait être indemnisé de la même façon, en tenant compte de l'âge des deux, pourquoi pas, des deux victimes, directes et par ricochet. Est-ce qu'on peut raisonner pareil pour la victime directe qui décède et la victime par ricochet qui survit ? Eh bien oui, l'absence de l'être cher se vit au quotidien et toujours cette idée de préjudice quotidien et de réparation intégrale avec l'espérance de vie. Alors effectivement, ça serait un grand changement dans nos méthodes d'indemnisation, mais est-ce qu'on ne se rapprocherait pas comme ça, plus du principe de réparation intégrale ? En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très intéressant de se pencher sur ce quotidien et l'indemnisation quotidienne en fonction du sexe de la victime. Merci beaucoup, Maître Nicolas Estienne. Oui, merci. Alors en Belgique, tout comme en France, l'évaluation financière du préjudice d'affection subi par les proches d'une victime décédée se fait presque exclusivement sur une base forfaitaire. Donc notre référentiel de la magistrature recommande des montants indicatifs qui se situent, on va dire, dans la même fourchette que ceux qui sont proposés par le référentiel français. Peut-être qu'ils sont un tout petit peu moins généreux. Les juges conservent toutefois leur pouvoir d'appréciation et on constate, en analysant la jurisprudence, mais qu'ils n'hésitent pas à majorer les montants du tableau indicatif en fonction des circonstances de la cause, par exemple lorsque le décès est survenu dans des circonstances particulièrement tragiques ou odieuses, par exemple parce que les proches n'ont pas pu voir le corps du défunt ou bien parce qu'ils ont été confrontés à un corps extrêmement mutilé. Ce sont des circonstances qui vont amener les juges à majorer les montants recommandés par le référentiel. À titre d'exemple, pour les attentats terroristes qui se sont produits à Bruxelles le 22 mars 2016, les montants du référentiel pour le préjudice d'affection des proches ont en règle générale été doublés, voire davantage. Donc ici, contrairement à ce que je vous ai expliqué pour le DFP, ici l'évaluation forfaitaire, c'est la règle en Belgique. Mais s'il en est ainsi, c'est parce que, effectivement, Benoît l'a rappelé, on est face à une sorte de malaise immense, insoluble, qui est d'essayer de mettre une valeur derrière la vie humaine. Les Allemands mettent zéro, les Italiens y mettent 300 000, la France et la Belgique sont dans, on va dire, dans le peloton, dans le milieu du peloton européen. Voilà. Bon, moi j'ai toujours, c'est un argument que je plaide, quand vous avez un enfant qui s'est fait renverser par une voiture dont la valeur vaut 100 000 euros et que les parents reçoivent 25 ou 30 000 euros, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, ça, ce sont des réflexions. Il y a un juge en Belgique qui a dit mais que les parents auraient accepté de vendre leur maison pour soigner leur enfant et pour qu'il survive. Et donc, est-ce qu'il faut mettre la valeur d'une maison, d'un appartement ici à Paris, derrière la vie humaine ? Je pense que ce sont des réflexions qui ne sont pas nécessairement très, très pertinentes. Mais voilà. Alors, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a certains plaideurs en Belgique qui ont essayé de trouver finalement une manière de fixer les choses, peut-être de manière moins subjective. Et il y a quelques décisions, et je vous montre à l'écran un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 14 juin 2013 qui a admis donc la capitalisation d'un préjudice d'affection. C'est un dossier dramatique d'un adolescent qui se fait renverser par une voiture conduite par un chauffard ivrogne. Et vous voyez que la Cour d'appel dit que commence par rappeler le principe de la subsidiarité de l'évaluation en équité. L'évaluation ex aequo de bono ne peut se justifier que dans la mesure où l'indemnité à allouer ne peut être objectivée ou motivée plus précisément. Et alors la Cour poursuit en disant « La méthode de la capitalisation convient parfaitement à l'indemnisation d'un dommage moral résultant d'un décès. En effet, la perte d'un enfant, d'un frère ou encore d'un petit-fils provoque une douleur indescriptible qui, certes, évolue de par le temps, mais qui ne disparaît à l'évidence jamais. » Et donc la Cour va faire des calculs de capitalisation. Elle va retenir une base journalière de 10 euros pour la maman. C'est évidemment un drame énorme. Je crois que la perte d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus dramatique qui puisse arriver. Et alors la Cour d'appel retient 2 euros par jour pour le frère et pour la sœur et 1 euro par jour pour les grands-parents.
Je dirais l'avantage de la base journalière, c'est que ça permet quand même de réfléchir à ce qu'on donne. 1 euro par jour, avec 1 euro, vous achetez même pas un café. Donc, je pense que c'est ça l'avantage. Quand on donne 25 000, 30 000, 40 000, on ne se rend pas compte de ce que ça représente au quotidien. Mais ici, quand on voit les montants journaliers, eh bien on voit quand même, on perçoit quand même ce qu'on accorde aux proches. Alors, je précise que les capitalisations dans cet arrêt ont été faites sur la tête des ayants droit, donc les grands-parents. On a évidemment tenu compte de l'espérance de vie des grands-parents et pas de l'espérance de vie du défunt. Ça semble aller de soi, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, lorsque les écarts d'âge ne sont pas nécessairement très, très importants, qu'on fasse une capitalisation sur 2 têtes, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire sur la tête du défunt et sur la tête de l'ayant droit. Et en Belgique, en tout cas, on a des logiciels qui nous permettent de faire ce genre de calcul. Et alors, j'en termine en vous donnant un deuxième extrait de la jurisprudence belge. C'est un jugement rendu en degré d'appel par le tribunal de première instance de Bruxelles le 31 mai 2016, qui lui va accorder une rente indexée à des enfants qui avaient 4 ans et 7 ans lorsque leur maman est décédée accidentellement. Et donc, c'est une rente indexée de 1 825 € par an, ce qui représente 5 € par jour. Et là, la rente indexée, ben, par définition, elle sera payable jusqu'à la fin de la vie des victimes par ricochet. Et donc, vous voyez que le tribunal a motivé notamment sa décision comme il suit. L'assureur ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la rente ne pourrait être envisagée que dans le cadre d'un dommage patrimonial à l'exclusion d'un dommage moral, aucune disposition légale ne faisant une telle distinction et, partant, n'excluant l'un ou l'autre de ce mode de réparation. Par ailleurs, le tribunal n'aperçoit pas quelle raison objective justifierait de limiter l'allocation d'une rente indexée au seul dommage patrimonial. Voilà, merci beaucoup. Voilà encore des pistes de réflexion en tous les cas. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Madame Porchi-Simon. Oui, alors mot très rapide, puisqu'il nous reste un peu pour tout 1 minute, si on veut respecter le timing. Quelques très brèves observations sur le préjudice d'affection. Je crois que les questions posées par Benoît Mornay montrent bien à quel point la question est à proprement parler irrésoluble et pose la question de savoir si on peut faire autre chose que du forfait. Est-ce que c'est vraiment un forfait? On peut en discuter, parce qu'il y a quand même une certaine personnalisation, mais enfin, on voit bien qu'on est quand même dans le type même de poste extra-patrimonial où ce forfait se justifierait le plus. Alors, je me pose quelques questions. Déjà, est-ce que la personnalisation ne peut pas, si elle était poussée à l'excès, heurter ou perturber effectivement un sentiment d'égalité ou heurter les victimes dont une espèce de hiérarchie finalement dans la douleur serait introduite. Est-ce qu'on peut partir du postulat qu'une victime jeune souffrira plus qu'une victime âgée? Enfin, je reprends un peu les exemples de Benoît Mornay. Qu'indemnise-t-on d'ailleurs vraiment à travers ce préjudice d'affection? Est-ce que c'est la perte du proche, le prix des larmes? Et sur ce point, la question mérite à mon sens d'être posée, parce que notamment par rapport à la proposition faite d'une évaluation sur une base journalière, parce que est-ce que cette base doit être stable au fil du temps? Est-ce que l'on peut considérer qu'il y aurait finalement une espèce de déclin de ce prix des larmes lié au phénomène de deuil qui est en général opéré par les proches survivants? Et donc c'est vrai que je suis sensible à cette idée d'une modification des bases d'évaluation par un prix de jour ou par une prise en compte de la temporalité qui me paraît importante, mais qui pose quand même des difficultés, me semble-t-il, vraiment intrinsèquement sur la base d'évaluation que l'on va retenir. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais juste pour terminer, c'est qu'il me semble effectivement que les valeurs quand même actuelles du préjudice d'affection sont quand même faibles. Et je garde en tête le témoignage vu à la télé d'une femme un peu révoltée dont le fils était décédé dans un accident de la circulation et qui disait j'ai perdu mon enfant et en gros on me donne le prix d'une voiture, enfin d'une voiture peut-être un peu de luxe, mais malgré tout. Et donc c'est vrai que il y a quand même un quantum minimum, semble-t-il, qui doit être respecté. Et je pense qu'on est quand même encore en deçà sur ces aspects-là, même si on est d'accord que l'argent ne répare pas et n'a peut-être pas énormément de sens dans ces problématiques. Voilà, donc des très brèves observations que je voulais faire pour permettre à la conférence de se terminer à l'heure, mais je crois que c'est 19h01, donc on a vraiment respecté le timing. Un très grand merci. Il est effectivement l'heure. Nous partons en week-end avec beaucoup d'idées.
pour réfléchir sur cette question de l'évaluation financière des préjudices extra-patrimoniaux. Un immense merci à tous nos intervenants et à la prochaine conférence qui aura donc lieu le 29 novembre, ce sera un lundi, sur l'intelligence artificielle et le dommage corporel, et ce sera la dernière conférence de ce cycle. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée.